Bien, politique, quatre autres belles bonsoirs pour midi. Nous avons récupéré un mamaï Lorrain, qui a venu de Lorrain. Monsieur Olivier Jean-Denis, qui adjoint au maire de Lorrain. Maire Lorrain, c'est monsieur Justin Parfil. Alors, monsieur Olivier Jean-Denis, belle bonsoir. Belle bonsoir, mamaï Réviel. Belle bonsoir, merci de l'invitation. Alors, Olivier Jean-Denis, conseiller municipal de la mairie Lorrain, effectivement. Donc, Justin. Bien. Alors, ou adjoint. Non, conseiller municipal. Quand même, pour parler de statut, mais mon monsieur ne finit pas aller au nom de la majorité. Absolument. Voilà. Alors, maman, nous venons de loin. Eh bien, nous avons travaillé, nous avons goûté, nous avons fait tout ce qu'il faut. Ben, pour le moment, ça va. Et d'ailleurs, nous entrons dans la période de présentation de bilan de 1000 mandats auprès de la population. Nous avons rencontré combien soit carabin, nous avons échangé des bio à sous bilan. Ça nous fait à sous les 3 l'année depuis 2020 jusqu'à 2023. Alors, est-ce qu'on ne l'a pas développé plus dans les bilans là? Ben, c'est un bilan qui est relativement important. Alors, faut que nous, qui est dans un contexte qui est assez particulier, parce que, pour ne pas oublier, nous démarrer le mandat là, et contre tout le monde, et puis la crise sanitaire là, la crise Covid là, donc qui mangeait quand même un bon an et un an, parce que si tout le monde a changé, déconfiné, vieux, confiné, etc. Et puis à un moment donné, donc, il fallait nous virer, prendre les activités telles que nous te proposer population en campagne électorale, nous. Donc nous virer, prendre la règle là, après que nous gérions justement la crise. Et la crise, c'était assez particulier parce que ça nous engageait comme dès le début. Bien sûr, qu'à songer au moment où l'ETK a annoncé le premier confinement et puis surtout préparation, déconfinement, premier déconfinement, puisque ça confinement démarré la même après l'élection. Eh bien, nous avons commencé à préparer pour certains de nos COVID matiniques. C'est avec qui les masques en tissu. Nous avons mis en gigantesque atelier de fabrication de masques en tissu et puis le soutien de la population, des associations d'insertion, etc. Nous faisons produire des masques en quantité suffisante pour que la population OTP puisse commencer à bouger, sortir. Et puis une fois que nous disons que nous sommes passés à autre chose, comme par exemple les masques FFP2 ou bien encore le gel, eh bien, nous allons chercher les moyens, notamment sous les fonds européens, parce que la collectivité territoriale, au moment de mobiliser des fonds européens, pour te permettre que les communes, ou en tout cas les associations, les entreprises, puissent doter Koyo de matériel suffisant pour protéger la population en masques, en gel, en produits d'entretien, de nettoyage régulier, et puis aussi en numérique, pour te permettre justement les réunions des fêtes en visioconférence, et donc que tout le monde est trouvé à la même salle. Donc c'est un gros combat que nous menons, sans parler de vaccination, alors les habités pour mieux contre même ça, etc. Eh bien nous organiser ça, nous TP, pour te permettre ça qui était les, ça qui était pour, qui a souhaité faire vacciner, de vacciner pour eux. Nous organiser aussi des centres de dépistage pour permettre ça qui était en ville, connaître la situation par rapport à la crise sanitaire là, ça qui situation est bien, nous organiser ça de sorte que de manière démocratique, chaque moment TP fait choix en âme et conscience. Okay. Alors avant que nous rentrions dans le bilan municipal même, oui. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui apprécier les effets néfastes du Covid sur l'économie? Oui, alors, pas que sur les, enfin, de manière générale, Covid-là n'y tenait un impact, et surtout en Martinique, malheureusement, ça qui arrive, nous, si tout le monde a songé, nous prend vague DCA, peut-être après le reste du monde, parce que comme nous déconfinons, on est qu'à nous, donc ça a développé très tardivement qu'à nous, mais malheureusement, 2021, c'est assez tragique, parce que l'idée des familles complètes qui décimaient par rapport à ça. Donc, le temps que la population fait le deuil de ça, nous sommes une espèce de boom qui fait qu'on appelle la guerre, quoi. On dit baby boom, tout le monde a la virée sortie des rois, donc on a le moral qui a viré parti peut-être à la hausse. Et puis, nous sommes l'argent qu'on n'a pas dépensé pendant la période de Covid-là, ou qu'on a dépensé de manière
est considéré tout de suite après. Et puis, nous avons trouvé comme nous, qu'on généralement en PIA, et puis en situation de pauvreté qui l'a et qui a impacté nous lourdement. Sur le plan culturel, moi je dis ça, nous pendant toute période Covid, nous essayons loin de maintenir un minimum d'activité culturelle parce que nous devons comprendre très tôt, et nous devons même faire une réunion à Soussa pour, et puis les artistes, et puis la DAC, et puis les instances, les différentes instances, nous devons comprendre très tôt que les modalités que l'État a mis en place pour qu'ils permettent aux artistes de subvenir, d'avoir un minimum de revenus, ça n'a pas été si évident que ça parce que maintenant qu'en fait les artistes n'ont pas peut-être toujours ni même niveau de déclaration, ni même engagement ouvert là. Donc ça a été plus compliqué pour eux. Donc c'est vrai que nous, quand nous essayons de maintenir un certain nombre de un minimum d'activités culturelles pour te permettre que les artistes s'expriment. Quand eux, ils m'ont quand même rappelé moi que Nianlo qui était arrivé assez loin en lot après que il était produit quand eux, parce qu'il était arrivé joint public. Bien sûr, à chaque fois, en tout cas, c'est de mettre les moyens pour contrecarrer la propagation virus. Oui, donc, moi, je dis, vous pouvez revenir à ce sort de la DIA, il y a en pauvreté qui est grandissante. Et nous menons, pas les longtemps, fin 2023, en analyse des besoins sociaux, et puis un cabinet qui prend temps à examiner la situation à la fois territoire Martinique, plusieurs communes, et puis surtout territoire nous, Lorraine, et nous comprenons très vite que nous avons la situation de pauvreté qui galopote, et que si nous pas réagir, ça peut devenir même catastrophique. Lorraine, on a d'autres communes, mais là où sont communes rurales, pour nous, dans le nord de l'île, ou loin des centres et du poumon économique, il faut imaginer un autre type de fonctionnement, et parmi ça que nous mettons en place pour soutenir à besoin de population, ou des populations en Tchabilarella, mais nous mettons en place un relais de la banque alimentaire, parce que à la fois les bailleurs sociaux, quand ils nous ont du mal à payer le loyer, donc si on ne peut pas payer le loyer, ça veut dire qu'on a du mal à manger. Bouger, et le centre communal d'action sociale, quand ils nous ont des plus en plus de monde, qui a venu toquer à la porte pour dire bon, est-ce que ça peut aider nous aujourd'hui, ou au moins un jour, des semaines, etc. Donc nous mettons ça en place de manière à ce que toutes les deux semaines, eh bien, nous allons récupérer des denrées à la banque alimentaire, en plus de collecte que nous avons fait quand nous-mêmes dans certaines manifestations, et puis nous mettre à disposition de la population. Hein. Donc bien sûr, une inscription soit tout en procédure, parce que bon, c'est une question sociale, mais en tout cas, les familles qui aujourd'hui jouent, on peut dire qu'elles ont bénéficié de paniers alimentaires, de paniers repas, et donc ça permet de tirer la veille là, de passer le temps difficile. Oui. Alors, est-ce que, et puis expérience Covid, je dis, hein, scientifiquement, nous savons que c'était un sac de couillonnettes. On a des pays qui dévaient, on a des associations qui obtiennent gain de cause auprès des tribunaux. Alors, est-ce que nous, Martiniquais, et davantage les élus, pas des précautions à prendre pour protéger la population qui mettait les élus en place? Parce que nous savons que pendant le Covid, il y a des élus qui ne prennent pas parti. Mais il y a donc qui tentait de pousser le monde à la vaccination. Oui. Que ce soit au niveau des mairies, oui. Que ce soit au niveau de certains parlementaires. Donc, est-ce que les panélistes sont attirés pour nous dire attention, signe la prochaine fois? Alors, il y a bien qui sont attirés de ça. Mais il n'y a pas qu'il faut songer, c'est qu'il y a une responsabilité à la fois du grand peuple là, mais il y a une responsabilité d'élu, moi, on me dit, de l'organisation de la nation. Quoi. L'eau élue, malheureusement pas scientifique. Enfin, on ne va pas connaître l'élu scientifique. Mais aucun médecin à un niveau qui dit que, c'est ça, et puis bon, qu'on va le voir dans tel ou tel, ou bon, tel médicament, etc. Et bien, malheureusement, l'eau a une responsabilité, il confrontait un certain nombre de. Il a cherché un certain nombre d'informations. Et l'information, quand je dis, de plusieurs niveaux. En l'occurrence, quand nous, Martinique, surtout l'ARS lié à la santé, c'est l'ARS qui a pris la main. Parce que c'est la l'ARS qui a représenté l'État. C'est le relais de l'État, Martinique, l'ARS. Oui, bon. D'une certaine manière, oui.
mais c'est surtout, on peut dire que c'est l'Agence régionale de la santé, donc il a coupé ça. Appliquer sa gouvernementif. Hein. Oui, mais il a coupé ça aussi, protéger la population par rapport à la santé. Alors, quand il dit ça, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, bon, mais tout ce qu'il a dit ou fait, pas bon. Mais il faut reprendre les renseignements. Donc, il y a l'ARS qui cabaole, on y les médias qui cabaole, les médias, quand il dit tout ça, que ce soit les réseaux sociaux ou les médias officiels, les chaînes radio, télé, etc., qui cabaole un certain nombre d'informations, qui prend le temps d'inviter des spécialistes. Le problème qu'il y a avec Covid là, c'est que tout le monde, ou presque, tes dépositaires dit un certain nombre de vérités en ligne. Mais alors, on est immobilier là, ni ça qui pour, ni ça qui pas pour, ni ça qui peut-être pour, ni ça qui était pour, qui changeait pour, qui, etc. Ni ça qui a pour savoir faire, qui pas qu'à faire lui-même, etc. Moi, je dis, on est même perdu dans ça. Je dis, on est plusieurs qui sont attirés de ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas nous jeter comme tête baissée en ligne en bagaille, que parfois on n'a pas qu'à maîtriser ça, mais il faut que nous utilisions le recul pour nous payer. Prendre le temps à analyser la situation. Un point, situation aussi, population, ça, ça qui a pensé, ça qui a ouais, qui m'a dit qu'il y a ouais les choses. Maintenant, l'opanie traitement, d'autres solutions pour ça, éviter des décès à la population, des fois, pourquoi quand ça y aura donc fait, parce que, ou pas tellement ça pour faire vous-même. Alors, on est une élue qui est pour vaccination, mais qui va vacciner Golo. Et une autre qui est contre vaccination, mais qui vaccine Golo. Parce que, en période tard, vous êtes pas arrivé pour vous vacciner. Il n'y a pas une dérogation, tout ça. Donc, une élue qui voyage, qui machin, il n'y a pas spécialement contre, mais il y a quand même certainement prendre vaccination parce que pour que tu déplacé Golo. Y compris pour intervenir, ça et là. Donc, ça c'est particulier. Il faudrait nous prendre que par rapport à ça, mais il faut que nous gardions aussi le passé pour nous garder, pour nous rendre compte que là, c'est bon, j'ai pris Covid-19 parce qu'il vient en 2019. Donc, ça veut dire que tu es une dot qui t'est apparue auparavant. Ça veut dire que tu es une dot grippe, mais il ne faut pas songer, les cadres de la grippe aviaire, tu es mis toutes ces quatre bagages là, la grippe aviaire fait. Un ministre à l'époque, le ministre de la Santé, qui fait des vaccins par milliers et qui finalement lui enlèvera l'État. Ni d'autres épidémies qui fait, ni d'autres pandémies qui développent les coyaux. Et à chaque fois, c'est pas d'ailleurs qu'on fait, donc partout, on est les spécialistes pour dire, essayer de trouver un vaccin, essayer de trouver un remède pour échapper à ça. Maintenant, ça, c'est une situation qui est relativement complexe et on ne peut pas dire que nous pouvons être totalement ou totalement contre. Il faudrait garder ça, les petits brins, reculer les petits brins, on veut dire reculer les maturités. Alors, nous n'avons pas référence de recul à quoi quand même, mais au moment de Gilbert Couturier, c'est organisé un grand marché sur les groupes médicinales. Et la préfecture a été bien emmerdée, il m'a dit bien emmerdée, il ne pas arrivé. Oui. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Faye qui n'en va être à la vie. Oui, Kevin. Donc, quand on est sous sa chaise, sous vide, il y a quand même besoin de parler. Virapic. Voilà. Donc, ça veut dire que quand même, ou pas fait en l'eau, ou pas aller assez sur les bancs de l'Université de Bordeaux, de Montpellier, tout cas de médecine, mais néanmoins, il y a une médecine traditionnelle qui permet de sauver les voyants. Oui, alors, voilà, qui préserver la vie, en tout cas, santé. Oui, alors, il y a un milieu là, il faut. Médecine traditionnelle, là, qu'on voit, c'est une médecine traditionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a ceux qui disent, maman, nous dit papa, nous dit ça qui était là avant. Et puis, c'est quoi, qui, et qui malheureusement n'a pas été forcément matché, de sorte que nous-mêmes, nous tenons à l'instant T, nous savons ces quatre états-là de nous dire. Parce que, sans regarder, il faut nous convaincre pour nous garder l'expérience, ça qu'ils ont fait auparavant, et qui m'a dit ça qui était là avant, privé, tiens, mais la règle là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a trouvé en posologie pour ça. Une transmission pas forcément faite de manière écrite. C'est peut-être toi nous. Mais pourquoi ne pas corriger ça? Heureusement. Il reste des problèmes, pourquoi corriger ça? Mais les ouais, on y posologie. Alors, ça, qui quantité pour couper?
Donc, à quel moment faut que tu aies ça pour prendre, et puis à quel moment est-ce qu'on prend une feuille séchée ou bien feuille verte, est-ce qu'on prend une tige là ou bien fleur ou bien feuille là, etc. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, on peut peut-être rentrer en détail au passage, et puis on va faire un surdosage dans un produit, parce que c'est un produit qui est actif, comme même si c'est pour naturel, et puis on peut rendre encore plus malade, plus bien, plus joli. Maintenant, il faut reconnaître aussi que ce n'est pas facture les anciens qui vont manger forcément. Ce n'est pas facture si nous, peut-être pas écouter correctement, ça y est, qui a dit, il faut que tu fasses, qui m'a dit, il faut que tu fasses. Et puis, la médecine, médecin de ville, les médecins, les hôpitaux qui déploient les coyaux, et qui cabinent un certain nombre de médicaments qui sont déjà conditionnés, que ça, c'est une telle produit pour quoi pendant tant de mois, pendant tant de jours, telle quantité, etc. etc. Donc, la carré, il est organisé et cadré à la fois par les professionnels de santé qui eux-mêmes suivent études pour ça, mais qui eux-mêmes ont subi aussi un certain lobbying des produits pharmaceutiques, de l'industrie pharmaceutique. Donc, pour les pourparlers, traditionnels là, important, il faut qu'ils trouvent les plastiques de plus en plus, il faut qu'ils trouvent les plastiques. Et ça, même au moment de faire, c'est bien, c'est intéressant. Ça qui est assez effarant, c'est que les communes en général n'y marchent tout partout. D'accord, la virgule du marché, donc ça veut dire qu'on y monte qui est avant de marcher tous les week-ends, puis tous les jours, tu as à proposer pour du thé, pour faire du thé, etc. etc. Il y a du bon ça pour pain, du bon ça pour parfum, etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas un bagage que nous inventons. C'est pas pareil que Gilbert inventé, là, il dit. Enfin, c'était juste un débat de résistance, mais c'était avant en oppression. C'était un débat de résistance, et c'est peut-être parce qu'il dit qu'il y a un débat de résistance qu'il y a intéressé qu'il y a de près ou de loin à celle des cafés, où tu dis il faut faire, il ne faut pas faire. Mais nous les marchés, il faut nous gommer pour nous garder marchés. Il faut nous gommer pour nous garder les marchands non nous. Il faut nous gommer pour nous garder les agriculteurs, les producteurs de ces quartiers de producteurs-là, que ce soit d'ité, etc. Et nous avons des gens aussi qui a fait d'ité, qui a mis en bouteille déjà, qui a mis sous flacon, etc. Et qui a dit nous, il faut qu'on prenne en prévention. L'huile essentielle aussi. L'huile essentielle là qui est très bon. Et puis, on a toujours dit, et que ce soit d'ité là, fouillard, les gibelins qui poussent, tellement. On va sur les nous, on va l'appliquer à nous. Ici, c'est tellement mieux adapté à nous qui grandit et puis qu'à un autre produit qui sort de l'Ewa. Et des fois, le produit qui sort de l'Ewa, peut-être qu'il y a un problème identifié A, mais il y a le blanchant un problème non identifié, ou peut-être qu'on pourrait appeler. Donc, moi, quand je dis, c'est important, et ça, j'ai bien fait, c'était très bien. Et aujourd'hui, je joue tout marché, pas proposé, on a tout marché, donc à penser ou pas, on trouvait pas. En tout cas, loin, là, nous avons fait marcher, et bien, nous avons trouvé des gens qui ont transformé un certain nombre de produits, de feuilles, pour que ça permette aux populations d'y venir, que ce soit vivapique, sous plusieurs formes, mais pas que vivapique, dans le bloc de la que nous avons fait. Comme c'est le produit fort de. Oui, c'est le produit fort du moment, et c'est tant mieux. Mais même vivapique là, avant même Covid là, nous avons pris pour la grippe. Et ça a été capable d'être au moment que ça déclare guérir rapidement. Et puis nous avons aussi le PAM, Martinique, qui est là pour justement accompagner les producteurs dans la transformation. Certifié. Pour aller, oui. Pour regarder chimiquement qui ça qui est bon à nos produits pour la mettre sur le marché. Qui ça qui est bon et qui mélange qui est bon et qui mélange qui pas bon, pour permettre, nous l'un qui a mis sur le marché, ni la certitude que ça qui a proposé, ce n'est pas un poison pour les uns et pour les autres. Même si ça qui est bon pour l'autre, pas forcément bon pour l'autre, nous sommes dans le même dosage. Nous sommes d'accord. On va les mêmes métabolismes. Alors nous révirons les notions magiques, mais comme nous sortons à notre cadre bilan, on va révirer les bilans si vous les bien. Oui, c'est ça. Bilan municipal de mi-mandat. Oui, le bilan mi-mandat. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, nous passons donc depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans, mais un peu plus. Que mon nature l'a démarré et que nous mettons un certain nombre d'actions en place à la fois sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan de l'organisation même du territoire. Et ça, il faut toujours mettre un moment pour que les LUA, MEA notamment, vivent ou la population vous dit voilà, mais ça n'a pas été proposé d'autres.
au départ. Et à toutes sortes de moments, on a proposé ce plat, mais ça, on a fait. Peut-être, mais ça qui lui était nous a fait. Et puis, il y a des bagailles qu'on a découvert au fil de l'eau, il y a des bagailles qu'on a, des opportunités qu'on a présentées pour eux. Et puis, il y a d'autres qui ont des actions qui ont été prévues, qui ont obligé de jouer à la messe. Et quand nous, il y a un certain nombre de chantiers, par exemple, qui en cours, pour vérifier le principe des marchés, nous lancer donc réhabilitation marché couvert loin. Malheureusement, les sociétés que nous choisissons pour te démarrer, pour te faire les travaux, ont connu un certain nombre de difficultés parce que la marché à café là, il n'y a pas de Vraiment en cœur là, donc nous avons la traversée la rue de la Richachet. Alors à rentrer nos reins, oui, donc à gauche, en grande place qu'il a vide, mais on y sent culturel à l'aise, c'est ça. Non, c'est pas là. J'ai appelé du vent et en fait, il y a à peine à une vingtaine, trentaine de mètres du garoutier. Ah, le garoutier, il y a un ouest. Donc il y a un homme qui a mis un, qui a pu mener au collège Lorient. Et puis, il a traversé vous là. Donc, il y a un moment d'arrêt, à suivre pour dire parce que à la fois les entreprises que nous avons choisies, ça fait des difficultés techniques pour te faire face à. Des surprises dans... Oui, surprises, notamment le sous-sol là, voilà, parce qu'il y a un sol qui n'est pas forcément capoté charge lourde, à proximité de la mer, pas trop loin de la mer, pas trop loin de la rivière, etc. Donc, du coup, il faut que tu aies les calculs, les bagages pour te faire machin. Et puis, nous aussi, nous tenions une ambition particulière à ce marché-là, c'était de mettre un étage en l'air, en mezzanine, et puis, dans mezzanine, de positionner en restaurant qui était peut-être typique local. Bien sûr, ben, ça a quand même dit, effectivement, bâtiment. Hein. Donc, ça veut dire que les descentes de charge dans le BTP étaient quand même les plus importantes, qui a exigé que tu aies fait des pieux qui descendent à 7 mètres, 13 mètres de profondeur. Je dis, nous virer ambition, hein, parce que la priorité là, c'est de remettre les marchés en place pour permettre les marchands de virer en place et de virer fonctionner. Et donc, nous l'avons attendu, les descentes de charge, les recalculs qui ont fait, que quoi qui ont baissé aussi, mais qui ont rendu chantier à de nouveau possible. Il n'y a d'autres chantiers comme par exemple gymnase là, que nous décidons, l'espoir là, que nous décidons de réhabiliter. Et là aussi, malheureusement, chef d'entreprise a quitté le marché plus important, donc, puisque là où se trouve à France, une espèce de coque. De charpente, quoi, arrondi, tenir des difficultés personnelles. Donc là, le chantier a viré démarrer, là, nous bien contents, donc ça veut dire que nous pouvons arriver dans quelques mois, dans 4-5 mois, au terme du chantier là, et qui va permettre les clubs en sport de virer quand la réunion dans cela. Et puis nous donnons tous nos autres projets que nous menons, pour par exemple la réhabilitation, les gîtes qui bord la piscine Lauréen. Pour nous créer autour de la piscine là, stade municipal là, piste d'athlétisme là, les terrains, handball, tennis, etc. Permettre que nous ayons un hébergement possible à la fois pour les sportifs, mais aussi pour le loisir. Donc, nous avons, pour vraiment développer à ce quartier, donc sous bois, développer créer tantôt un espèce de parc d'activités sportives et ludiques pour permettre que ni monde qui a hébergé, pour y'a bébé à la piscine, pour y'a faire préparer championnat de natation, etc. Mais aussi pour préparer match football, etc. Et qu'est-ce que c'est, moi, fois, est-ce que si vous n'êtes pas les noms, tu as fait activité équestre? Oui, le ministère de l'Équestre, à quel niveau ça joue? Absolument, donc le ministère de l'Équestre, là, toujours. Et d'ailleurs, il y a un loup, mon maï, Laurent, qui n'est pas que, qui a fini pour un coup équitation. Donc c'est voilà, c'était une option que nous t'avons exactement. Nous t'avons fait chantier talent dans un temps record pour te permettre que l'activité qui est là t'ait viré démarrer, surtout qu'à ce territoire-là, mais t'es mis en baisse au niveau activité, accession à activité qui est là. Donc ça a démarré. Et puis nous on peut parler, et puis certaines instances pour nous acheter des terrains qui pas loin, qui font brûler, pour permettre nous d'y réaliser en plus grand centre équestre. L'expansion du centre équestre, mais surtout réaliser d'autres, proposer d'autres activités
toujours dans le cadre sportif. Toujours dans le cadre d'activités sportives, ou par exemple qu'il y ait des pistes de randonnée donc, ou de marche sportive, qu'il y ait des pistes pour faire vélo, qu'il y ait, voilà, qu'il y ait des bagailles, des activités qu'elle peut essayer d'implanter en lui-même, dans des surfaces qui sont relativement importantes et qui permettent de faire des belles bagages. Surtout que bon, le terrain, ce n'est pas un terrain qui est constructible par rapport au classement au plus, mais qui autorise nous à faire un certain nombre d'activités. Alors, est-ce que ces réalisations là qui peuvent mettre quand même certaines embauches? Oui, et c'est ça. En fait, c'est Yann dit, c'est vraiment notre motif, Justin, en fait, les cas proposer des projets, c'est garantir justement un développement local qui a généré de l'embauche immédiatement au niveau de la construction, au moins il aura fait. Alors les chantiers de moins d'envergure qui est accessible à l'insertion, donc aux personnes en insertion, ben nous permettez, ou par exemple l'Égypte, et bien nous va renforcer l'encadrement pour permettre les moments là apprendre correctement les métiers. Et puis les chantiers de plus grande envergure, qu'on peut être les nouvelles démarrer, comme par exemple gymnase là, et bien là, nous va passer comment nous les entreprises et nous va inciter nous à recruter localement des jeunes mamans qui à la fois peuvent nous former, mais des jeunes mamans aussi qui sortent de l'école, pour permettre d'y rentrer, d'y mener une activité économique, oui, avec une activité qui a rapporté un salaire. Et puis derrière ça, lorsque nous avons ouvert pour par exemple Santé Kessa, ça a généré un certain nombre de revenus pour une structure qui l'a gagé, donc encourager à embaucher, à faire en sorte, à jouer le rôle de premier de cordée. Les activités académiques de Koyo, les associations, les entreprises qui ont implanté Koyo, jouer le jeu, d'embaucher, de remettre l'activité sur le territoire. Alors, est-ce que l'activité et Kessa permettent, comment dirais-je, de démystifier un sport réservé à certains, c'est une élite, certains groupes sociaux, parce que ça... Oui, et c'est vraiment ça, c'est là où ça est intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une activité qui est plutôt réservée à l'élite et qui est concentrée à la fois sur le centre et le sud de la Martinique. C'est la Mantin, c'est la Mantin, trois îles, c'est un... C'est ça. Donc, ça, Macabo, vous avez dit. Oui, Macabouclin, voilà, exactement. Donc, on y a une activité qui était beaucoup plus développée sur le sud, et puis qui était des pics, hein, comme par exemple cette Marie, et entre autres, là, Lorraine, toujours tenu une activité équestre, toujours tenu élevé cheval, toujours tenu monde qui était occupé de ça, mais là, nous tenions à faire avec des groupes qui étaient diplômés, capable à la fois gérer l'activité A et qui est capable de préparer éventuellement de futurs champions de l'équestre. Donc, ça a été important que nous fassions ça. Et la même année, d'ailleurs, l'année passée, donc ça c'était mi-des ans, nous lançons ça. L'année passée, nous accompagnons une autre association à installer, peut-être pas même côté A, là c'est Vivé, pour déployer encore d'autres activités équestres, mais qui pas exactement les mêmes et puis c'est là qui s'est parlé. C'est toujours que ni un besoin. Actuellement, ça beaucoup plus accessible parce qu'on pas besoin pour l'auto, vous descendre, choisir les groupes et ça monter une heure cheval. Ou quand tu fais loin, ou quand habiter comme une vieille, ou quand habiter dans bouche, ou quand habiter loin. Alors, moi, je sens qu'il y a une activité qui a créé l'équithérapie, réservée aux personnes handicapées, notamment psychiques. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez ça vraiment? Justement, deuxième association qui a proposé l'équithérapie. Donc, en lien et puis en centre qui est basé sur le sud, pourquoi il y a plus qu'à moins c'est trois îles, mais en lien et puis centre là, il a proposé l'équithérapie. Donc, ça a tenu sens que nous accompagnions deuxième dynamique là parce que c'est un autre produit qu'il n'a pas proposé, notre offre de service. D'accord. Alors, sinon, au niveau du bilan, d'autres bagages à ajouter? Eh bien, un bilan qui est relativement conséquent. Vraiment, relativement conséquent, et sur le plan social, comme on dit la vie du Calais, donc comme on dit, nous ouvrons le volet de la banque alimentaire, mais nous sommes en centre communal d'action sociale qui vraiment investit au plus près de la population pour accompagner. Et quand je dis ça, je vais tirer chapeau à la fois centre communal d'action sociale loin, mais je vais reconnaître aussi que sur la Martinique, les CCAS là font un gros travail pour être au plus près de la population et qui la population qui est très souvent en difficulté et en souffrance. Et loin, cette commune-là a géré l'école senior. L'école senior, ça nous crée, ça a juste créé
au début engagement politique li, qui a permis les seniors retraités plus de finis de bénéficier d'un certain nombre d'activités, par exemple travailler de la mémoire, donc ni un jour pour ça, un café ni un danser, faire des traditionnels, apprendre ou réapprendre, parce qu'il y en a qui les a café. Du cas, sortir, bénéficier d'un certain nombre de sorties, aller au cinéma, aller au théâtre, aller au musée, du cas, faire des activités sportives adaptées, gymnastiques adaptées, etc. Donc, ni ça aussi qui le CCAS a compté loin, ni aussi le fait que pour les mamans et l'école et les parents, nous avons accompagné dans ça, nous avons appris la caisse d'allocation familiale, la parentalité, parce que nous avons accompagné les mamans et l'école pour aider à évoluer, apprendre correctement, soit par l'aide aux devoirs, mais aussi par ça, nous avons appris, par exemple, souvent par exemple, à avoir montré tout le monde à la France au volant, les gars passés au volant, mais pas familiariser et puis les formes géométriques. Donc ça a aidé à virer projeter quoi dans la mathématique là sans faire mathématiques directement. Et puis les parents, nous parlons c'était un atelier, puis les parents, point d'élo à l'envoi. Il faut qu'on sache que je dis jour, pas les moins fléaux pour la jeunesse, ni plus parce que ni les réseaux sociaux qui viennent ajouter quoi, le numérique, et que maman là, comme il y en a dans ça, il y en a dans ça en permanence. Donc des fois, il faut aider à détacher, mais les parents pas forcément armés pour s'expliquer à Timonaya qui m'a dit qu'il faut tirer et dire ça. Donc, ni ça, ni tout ça que nous avons aidé les parents, et puis CCAS l'a fait. Et puis nous mettons en place le portage de repas, nous lançons ça dans les passés, et nous, un peu famille, pas que du loin, qui a bénéficié à moindre coût, et puis l'aide de la collectivité territoriale, qui a bénéficié d'un repas chaud le midi, au moins des fois, parfois, c'est un seul repas et demi en journée, mais au moins nous sommes bien équilibrés parce que la caisse des écoles, en plus différent j'ai mon maman à l'école, qui a préparé le repas et qui a préparé le repas en fonction des pathologies chaque monde. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est entre autres ça nous a. Alors, au dis-moi que vous êtes de quartier en quartier pour faire présenter le bilan et qui accueille le corps et les autres. Ben, il y en a accueil chaleureux. Et nous sommes encore contents parce qu'il y aura l'opportunité d'y joindre nos misères humaines dans un cadre. Autre que en disant un jour il y a dans le bureau, etc. Et donc ça permet de dire, faire commentaire, dire si ça va bon, si ça va bon, etc. Nous commençons à faire, il est nous parti au congrès du maire en novembre passé, novembre 2023. Nous faisons une première présentation à la population de qui arrive en France à Paris et dans le giron de Paris. Et puis nous démarrons, donc il y a à peu près 3 semaines. Des semaines du moins à la maison de la culture, donc en centralité, où hier soir nous faisons carabin, et puis dans 2 semaines nous faisons faire monde clapot. Ça c'est pour mes parties, ça c'est le bilan, le mandat pour présenter la population. En même temps, nous allons mettre le document papier, qui a fait une quarantaine de pages, où nous pouvons ça nous a dit, ouais, il y a des cailloux pour virer, oui. En même temps, nous allons diffuser sur les réseaux de manière à ce que les gens aient même page là, il y a un regarder, commenter si vous voulez. Et puis, après ça, nous sommes dans notre processus démocratique et puis population, parce qu'elle nous a invité la population à garder la réunion en face. Alors, ou devant ces mois-ci, bref, ne me regardez plus encore pas le bilan de mi-mandat, c'est la projection pour 2026. Exactement. Donc, à la fin, dernière page là, enfin, les dernières pages là, nous allons concentrer à sous la sécurité de nos frères. Les chantiers qui en cours, comme on regarde tout à l'heure, gymnase, marché qui beaucoup fini, qui est fini, et qui m'a nous à y exploiter, qui m'a nous à y animer ça. Et puis, ni d'autres projets que nous n'y comme par exemple, en termes de chantier, gros chantier, nous avons posé comme la question de ne pas l'église. L'homme des huit lorrains, est-ce qu'il faut qu'il y ait ou bien est-ce qu'il faut qu'il construise. Ouais. Il lâche combien de temps, l'homme des huit ou bien. Non, il est déjà dit combien de temps, certes, mais il est là pour regarder s'il est capable de bout sur un tremblement de terre ou autre. Alors, il y a une grande place que m'a trompé. Comment ils sont devant. Oui, c'est catalan. Oui, c'est catalan. En fait, la tenue en bâtiment, c'était un ancien école, ensuite il y a un bâtiment administratif de l'UIA, c'était un annexe. Et ça qui prévoit, c'est qu'il y a une société immobilière qui construit donc un bâtiment donc, en R+2, donc à sous 3 niveaux total, qui est au dialogue mairie. Et qui est proposé en rez-de-chaussée des activités
économique, donc qui est né, le commerce qui est installé en rez-de-chaussée. Au premier niveau, il y a des bureaux de la mairie qui sont réservés pour le moment pour la mairie, pour permettre à la mairie de déployer l'ensemble des services, parce qu'il y a des services qui sont dans des situations d'hébergement parfois compliquées. Et par exemple, là, dans le milieu recruté, ça va être des fois difficile, pas obligé de faire des turnover, virer, casser les murs, pousser les murs. Donc, ça, donc, il y a des. Les services installés comme eux. Et puis, ça qui prévoit, c'est qu'au dernier niveau, ni habitation, logement, pour permettre au monde de vivre, d'habiter le centre-bourg. Parce qu'en parallèle, tu vois, nous engageons un processus de démolition d'un certain nombre de bâtiments qui sont trop vieux, qui ne peuvent pas tirer de route encore, pour permettre projeter des constructions nouvelles, peut-être plus adaptées, ou peut-être créer des espaces de déambulation, de circulation pour venir en espèce de bon vivre, de mieux vivre dans les centres-bourgs. Et ce qui est bien, c'est que la population est très satisfaite des démolitions que nous faisons. Ça, sous monté le remettre depuis la fin de l'année. Oui, mon traversé l'aurait deux fois, deux samedis de suite, parce que c'était en février 1974. Ah, oui, et puis après, mon fils est monté dans le cadre de constitution partie civile. Pour que l'on décolle, donc il y avait ça. Alors, c'est vrai qu'on va passer au centre-bourg, mais c'est vrai que grand place là, nous avons la prise là, est un peu les moins. Oui, donc construction, on peut démarrer, donc on va pas peut-être qu'il s'y mette là, mais c'est lui mettre en relation, et puis société A qui peut faire bâtiment là, construit, et qui garantit que normalement d'ici un mois et demi, deux mois, les premiers coups de pioche qui ont été surtout que l'étude de sol là, la fête, nous avons maîtrisé, tenu de la réponse, maîtrisé, comme par exemple, en bas bâtiment qui était là, t'es mis en ravine, t'es mis une grosse canalisation pour permettre en ravine la déglo vers la mer. Et bien, entre temps, nous dévoyer, nous déplacer. Il y a un bas la route là, qui est bolé de là, qui est entre l'église et puis justement le bâtiment, en catalan. Et donc, ça va permettre que, à 6 bâtiments, qui est beaucoup plus sûr, on a des conditions pareilles. Mais en tout cas, il nous garantit que d'ici un mois et demi, deux mois, le chantier a démarré. Donc, c'est important. Pour nous, pour vraiment virer Bourg-là en sorte de dynamisme nouveau. Et puis, les constructions qui sont faites, donc, ni en tant que Bourg-là, en Bourg-là, on va arriver dès les lignes de la Bourg-là, avant d'entrer en Bourg-là, il y a deux bâtiments, peut-être ça qui a coûté dans le nom de ça. Par exemple, là, on a un petit chenquin qui a fait un chocolat, on a un bar qui était à sous deux niveaux, qui était un petit peu ébranlé par le temps, et que nous raser. Et ça peut permettre de projeter comme nous dans le panier. D'accord. Donc, si moi je comprends bien, l'équipe actuelle majoritaire du Lorrain, ça a projeté quoi et qu'elle proposait à la population de mettre en place en 2026. Alors, 2026, loin du jour. Mais ça ne va pas être pas si bien que ça. Nous, en 2024, donc bon. À peine 10 ans. Mais ça, moi je dis, c'est surtout que nous avons essayé au maximum de remplir mission et mandat que nous avons en 2020. C'est très important. Alors, c'est vrai qu'on a dit, nous pouvons prendre un an et demi par rapport à la crise Covid là au démarrage, mais ne pas perdre de temps pour rattraper le temps, pour faire en sorte que ça nous prête à prévoir, ça nous dit population de l'UFA, et bien que nous faisons, que nous réalisons vraiment. Et c'est peut-être à sous base là qu'FA ou que certains élus, qu'elle dit, qu'elle vient de la population, pour dire, oh, ben, si d'autres cas estimaient ça nous fait un bon, si d'autres cas trouvaient que ça nous pas proposé de le faire pour l'avenir bon, eh bien, vieux voter. mais ça, c'est en 2026, nous avons payé tout ça, ça exactement. Bien, alors, nous avons rappelé les auditeurs RLDM que nous voyons que M. Olivier Jean-Denis, qui est conseiller municipal de la majorité Lorrain, mais Lorrain, c'est M. Justin Panfil. Donc, nous là, et puis, côté Saint-Chien, nous avons ouvert. Radio, nous avons ouvert l'antenne, donc elle peut écrire au 62 88 99 pour poser question, pour bas avisons, pour partager opinion aux autres, sans problème. Alors, au début, nous parler de bien manger Martinique. Oui. Moi, alors, maintenant, le problème, c'est que c'est nous empoisonnés. Et nous passons à savoir qu'il y a une loi sur la Ménin, et nous avons fait le lien entre l'empoisonnement des terres. Et le cinquantenaire de février 1914, pour qui ça? Parce que
Nous avons fêté le cinquantenaire des événements historiques dramatiques de février 1974, mais nous savons aussi qu'il y a 50 ans déjà, dans les revendications, il était demandé l'arrêt immédiat et total des pesticides dans le sol martiniquais, dans l'emploi, dans la culture. Alors, nous avons commencé par Guinness. Alors, nous avons commencé par février 1974, puisque le Lorrain était associé, il me semble, des partenaires à l'organisation du cinquantenaire, et puis la plus basse pointe, et puis la CTM, et puis Marigot, et puis cette magie. Voilà. Alors, mon capito développé. Alors, moi, j'ai développé, mais moi, j'ai eu le quatrième point de revendication. C'était banni les produits toxiques qui auraient servi à la maladie. Quatrième point de revendication qui partait trouver une réponse favorable, pour dire. Et 50 ans après, nous encore en idée. Et peut-être nous encore plus en idée parce que dégâts en fait. Bon, 50 ans après, les événements janvier-février 1974 nous fait un élargissement de ça pour les événements. Parce que depuis 2003, c'était Colo qui était venu ça sur la place publique, hein, et puis son jeu, c'était son jeu de 1974. On parlait de Colo Barth, hein, Colo Barth, c'est Barth, c'est quoi Barth. Barth. Qui est un artiste, chanteur, guitariste, et qui fait en Rosso Kenny Lacote, février 1974. Oui. Et donc Colo mettait ça sur la place publique. Alors, de ma mémoire à moi, c'est Colo. Alors, il y a d'autres mondes qui n'ont jamais arrêté parler de ça, notamment les syndicats qui étaient directement concernés ou qui naissent du mouvement d'art. Maintenant, dès lors que nous prenons conscience de ça, Justin Bonfil est élu conseiller général en 2004, en un. Et ça, d'ailleurs, ça me défend à caramiser nous parce que. Lui-même, il fait campagne 2004 là, il était utilisé une chanson, pas la chanson de 1974 là, sauf comme tout candidat qui a utilisé en musique populaire, etc., pour faire campagne. Et une fois élu en 2008, il dit ça fait février 1974 là, il faudrait nous mettre ça encore plus haut sur la place publique. Donc, nous engager tout un processus de commémoration chaque année, chaque février, 14 février, nous engager un processus de commémoration. Jusqu'à ce que nous, Adam, on pointe Sébino, on pointe un ancien Lorrain, nous ériger un stèle en mémoire des deux disparus, des deux assassinés. Oui, il me dit ça. Voilà. Des deux qui tombaient, c'était Marius et puis Mani. Mani, mon maille Lorrain, Marius, mon maille Marigot. Donc, nous érigeons un stèle à son noyau, premièrement. Deuxièmement, en disant nos moyens, nous mettons nous faire un artiste faire en œuvre artistique sous la banane, pour te rappeler que c'était dans condition banane que nous allions venir défendre. C'était condition, non, les ouvriers agricoles, et principalement la banane, que nous étions dénoncés pour demander augmentation et pour demander arrêter d'utiliser notamment les produits toxiques. Et, de ça, nous n'avons jamais arrêté pour mémorer. D'ailleurs, l'année passée, nous faisons en marche que nous passions de cimetière, une partie du cimetière, parce que, entre-temps, il y a une des héroïnes, mouvement à la montagne, Macabimole, comme il y a un cimetière, donc nous passions déposer un gerbe dans les tombes, et à partir de là, nous faisons tout passer dans les quartiers, donc dans les hauteurs, et nous virons des cimes. Ces kilos qui nous étaient déposés à chaque fois en budget, ce qu'on nous a fait chaque année en revoyant. Et puis, nous dédier en cité que nous créons, et puis en société immobilière vivée, il capotait nos montants, mon carburant. Donc, nous montrer d'emblée, depuis 2008, et puis Justin, dans un processus de commémoration des événements de février 60. D'identification aussi. Et d'identification. Parce que, fallait-il mettre en lumière, fallait-il mettre des noms, des visages en les dénoms. Et la famille Carimol a joué un rôle important, et Montoy, singulièrement, a joué un rôle important. Et il était du vivant, au moment où il a inauguré Wampoy en 2013, il était lui-même présent, et lui-même, il dit un certain nombre de paroles qui étaient fortes à l'époque, pour te dire, à nous arrêter de cacher ça.
pour nous continuer des actions sur la place publique, entre autres. Donc, c'est ça que nous avons toujours fait. Et puis, au fil des années, nous travaillons, et puis, la mairie Basse-Pointe. Depuis l'ancien maire, nous avons organisé des marches. Donc, nous avons un groupe qui a parti de Lorraine, Fonville singulièrement, qui a descendu Chalvet. Et puis, un autre groupe qui a sorti Basse-Pointe pour rentrer Chalvet ensemble, pour te commémorer là et qu'elle, les syndicats érigés en stèle, en l'honneur de ça qui fait là, et aussi érigés en. Enfin, je pose une première plaque qui est posée en béton, en roche, au béton, ni stèle là qui est réalisée par un artiste, syndicaliste aussi, et puis ni en panneau qui est en honneur de Montoy notamment, et ni aussi en pied-bois que j'ai planté, moi c'est en fromager que j'ai planté, j'allais là, j'ai 20 ans, 15, 10 ou 20 ans, que j'ai planté, il est toujours là. Donc il y a un certain nombre de mots. C'est pas un bail que le Martin Dubout a chanté peut-être. Il me semble qu'il était placé. Non. Non, il était peut-être à l'opposé du pupé panneau Montoy là. Mais il était lui aussi. Exactement, le 14 février, le 19 août. Donc dans l'état là, ça nous décidait, c'est que les trois communes décidaient de travailler ensemble pour demander qu'après la labellisation, pour organiser une manifestation d'encore de plus grande envergure. Parce que même Marigot, tu as inauguré en la rue. Même Basse-Pointe, tu as fait des actions de commémoration. Et ça t'a tombé bien parce que c'est 50 ans. Et puis nous, quand on compte, là, nous engageons ça, que par exemple, Gaumont, papa, mais Gaumont, ma papa, je répète, c'est Sauvage. Valère Sauvage. Valère Sauvage. Tu es aussi, papa, à manifestation, grève, et puis tout ça qu'il fait. Donc, il fallait te faire ça. Et ce qui est bien dit dans ça, c'est que ni en, la parole libérée, vraiment, la parole libérée, quoi, quand tout ça m'a mis. Toujours la chair de poule, c'est ouais, les familles. Oui, ça, parce qu'elle a tenu en émotion autour de ça. Et il faudrait respecter ça. Il faudrait respecter, pas l'émotion, il faudrait respecter les familles des deux familles, des deux assassinés à l'époque, la famille Marie-Louise et puis la famille Emmanuel. Ce sont des familles qui battaient pas aller depuis ça. C'est des familles qui étaient gagnées sans tchaïot, qui battaient oser parler de ça publiquement. Et le métal là, les deux familles là, prennent la parole. Les enfants, ils manipulent la parole. Et nous avons fait des approches. Nous, l'on est le Wendio, le Dio, bon, faut que nous, et papa, pas autre, place là qui arrive une ligne dans la société, nous. Ils n'ont pas été favorables à ça. Parce qu'ils n'ont pas envie de parler de ça. Parce que ça, ils ont subi par rapport à ça. C'est eux qui savent, ça, ils ont subi. Parce que, vous vous rappelez que c'est un père de famille. 57 ans. Et non seulement il était capable de travailler en banane, mais il était capable de cultiver terre pour tes bailles chinoises, déjà il fait bête, bœuf, mouton, etc. pour tes bailles chinoises. Donc à partir de là, ou casser et quoi tu as là qui était capable de source de revenus. Source de revenus. Donc, et existence là même, on mettait en difficulté. Donc, famille là, il y a une difficulté par rapport à ça. Je dis, je ne parle pas. Je prends la parole à plusieurs reprises. Et je suis d'accord. Actuellement, pour que, et puis la mairie, et puis le maire, nous allions dans un processus de réhabilitation de Ferrier Ilman d'Irilor, pour nous permettre de mettre un bail place lui, on dit dans la commune. Qu'on nous fait place la Martinique. Et puis, dans l'histoire de Martinique. Et puis, dans l'histoire Martinique. Ça m'a particulièrement apprécié. Sans interrompre, c'est que l'on est à la par exemple, les syndicats, les communes, mettaient quoi vraiment ensemble. Et puis population suivent. Et population suivent. Les gaz la suivent. Absolument. Parce que les mouilles qui sortent de tout partout. Des cars, il y avait des cars de 50 points, de 25 points qui montaient pour marche là, partie des Marigots, des Alipatis du Lorraine, Fonville, des Alipatis de Basse-Pointe. Mais il me semble que les noms vivaient. Chalvet était mis en l'eau, matinique, était mis des mondes qui. Il m'a salué une humilité ou des mondes comme par exemple Daniel Marissette qui était présent, mais qui n'a pas fait. Bon, il n'a pas fait quoi il manquait, mais pas qui était présent dans les Dana, mais qui toujours était présent dans ça. Absolument. Le bien toujours présent, les patriotes toujours là. Et l'association Femmes Patriotes de Bourg était là, c'est toujours là. Et Francis aussi était là. Alors, Francis a rédigé
un document après pour m'aider, puis ça préfère les cafés là. Alors, devant ces mains, alors, monter en foulard et tenir l'eau mécontentement qui était contenu, mais aussi qui était verbalisé quand ta présence préfère. Oui. Alors, bien évidemment, mon cadeau cité là, c'est parce qu'il était invité, mais c'était très, très, très mal vu, très mal apprécié sa présence. Oui. Ça m'a dit par rapport à ça. On sent démocrate, donc on est d'accord que tout le monde a exprimé contentement, combien contentement. Et tout à l'heure, effectivement, ni au moment où il prend la parole, il y a des gens qui élevaient la voix pour dire non, pas quitter le balai, pas quitter le balai. Donc moi, on ne peut pas aller à l'encontre de ça, on ne peut pas être contre ça, parce que fallait exprimer ça au cas où il sentit en instant T. Mais ça fait aussi peut-être important qu'il était là, alors évidemment à l'invitation des organisateurs. Manifestation, ça t'est aussi important qu'elle était là pour y tendre aussi, et pour y prendre conscience de ça que Martinique décidait de que février 1974, pas pour ni d'autres février 1974 comme ça. Et d'étendre ça, parce que ça t'est important qu'elle d'étendre ça, pour comprendre que la population était unie autour du cause de commémoration là, mais autour du dénonciation ça qui était fait là. Il fallait dénoncer ça, il fallait étendre ça. Alors, est-ce qu'il faut que j'étais présent physiquement ou bien que j'étais suivi à la radio, à la télé ou autre? Mais pour moi, personnellement, présence n'est pas gênée parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime les mécontents qui criaient dans le bébé là. Il t'aime les paroles que les élus qui prennent la parole disent. Il t'aime la parole que les gens qui étaient là, comme par exemple le père Cyril, Robert Cyril, témoignage des syndicalistes. Il t'aime tout le monde. Donc, il t'aime aussi. Que faut que lui gouverne aussi de manière officielle devant la justice. Si, effectivement, la loi n'est tout cas des bagages qui peut permettre ou pas, mais en tout cas qu'il y ait une volonté commune des peuples de dire que bon, il faut qu'on fasse la lumière, on laisse ça qui passe. Donc il tente ça. Le matin, il ne peut pas dire qu'il est parti au cours. Alors, on a nous, là, et puis Olivier Jean-Denis, conseiller municipal à la majorité, juste pour faire la mairie Lorraine. J'ai écrit tout à l'heure au 62, 88, 99. Alors, on va proposer un petit poste musical, Vladimir, et puis nous va venir pour la reine et puis Olivier tout à l'heure. Conseiller municipal, la majorité, Lorrain et puis Justin Panfil. Alors, nous parlions de revendications tout à l'heure, Olivier, et nous savons qu'il y a 50 ans déjà, l'arrêt immédiat et total de pesticides était demandé. Et en début d'émission, nous avons fait allusion à ce que nous avons mangé, dit environnement, nous, bon à nous, mais seulement. C'est nous empoisonnés et puis que l'on dit
C'est nous et puis Glonou. Glonou, oui. C'est nous, Glonou. Glonou en bas de aussi. Et puis, en tout cas, pas toutes, mais ni des côtés des rivières qui vraiment en zone. Alors, et bien évidemment, en ce moment, une des grosses actions qui menait, puisque la justice comme en non-lieu. On l'a nous décortiqué le terme non-lieu. On pourrait penser que ça n'a jamais eu lieu. Il y a pas non-lieu pour le crash aérien, ça veut dire que personne n'a jamais acheté des avions, personne n'a jamais monté un avion, avion pas crasé, donc non-lieu. Bon, voilà, donc les choses n'ont pas eu lieu. Donc ça veut dire que personne n'a pas souffert en Martinique, pas ni famille qui a dit depuis la mort familiale en 2005. Et je dis à non-lieu, ça veut dire que pas ni responsable d'empoisonnement d'état là, alors que yo identifié yo parce qu'il était identifiable. Je dis à lui, qui nous quitte à faire rentrer, qui nous quitte à habilité à contrôler soi-disant pour l'amener sur le marché, nous savons. Maintenant, la justice décide autrement. Et ça qui fait qu'il y a un mouvement social en Martinique en ce moment, d'où un appel à la population dans le cadre de Martinique, d'où vous gaouler contre le chlordécone, donc contre le non-lieu, pour pouvoir constituer partie civile, pour nier une espèce de force populaire à l'encontre de la décision de justice. Alors, qui regarde Olivier Jeannot, il m'a entendu qu'à la municipalité de Lorraine, ni en les phénomènes dramatiques pour la santé des Martiniques. Alors, nous ni en regard à plusieurs entrées. Sur la question, sur le non-lieu, pardon, évidemment que nous consternons pour toute Martinique. Évidemment que nous avons du mal à accepter ça, surtout que les premières plaintes étaient déposées au moment où nous tenions encore le temps, c'est-à-dire que nous déjà savons, nous étions au courant tout ça qui était fait. Donc, et quand vous l'êtes, puisque quand on dit là, nous 50 ans, voilà, qu'ils ont dit, à ce point numéro 4 là, il faut arrêter ces produits-là. Donc, le déjà savent, il est toxique. Et tout le monde est sans ça. Et non seulement ça, ni des décisions qu'il prend au niveau international, donc pas forcément tout de suite en France, mais aussi en France, vous dites qu'il faut arrêter d'utiliser. Malgré ça, ça continue. Bon, il faut changer le nom des fois, mais pas changer le produit. Hein. Donc, ni en consternation par rapport à ça. Ça, c'est un premier bagage. Deuxièmement, ni en son quartier gaoulé contre l'ordicone. Et que nous soutiennent pleinement. Parce que c'est comme nous l'avons dit tout à l'heure par rapport à février 1974, faudrait nous faire peur. Et à un moment donné, pourquoi m'a à ce moment intervenu en tant que Vincent Jeannot qui a assemblé, qui l'a coupé parole, pourquoi c'est beau monde, et m'a dit que c'est là nous nous ensemble, nous avons fait peur, nous avons défendu en cause, ensemble, que nous avons pesé assez lourd pour balancer et pencher à côté de nous. Donc moi d'accord, et moi, alors peut-être que je n'ai pas forcément dit ça dans toutes les manifestations, mais ça va à la fin de l'année, m'a allé notamment à la maison des syndicats, donc pour tenir une espèce de enlever de bouclier tout ensemble, pour te dire que bon, à Tchibessa, nous avons viré partie dans les communes. Et dans plusieurs communes, qui a mis des journées, qu'on les samedis entiers, où tout nous peut venir pour prendre information, mais aussi pour prendre partie civile contre ça. Fait là. Donc, là, en laissant, nous soutenons ça pleinement et la mairie a ouvert, c'est-à-dire que Kainou ouvert pour ça, les amis des stations qui font Kainou Lorraine, et c'est pour qu'il y ait d'autres encore, Kainou d'autres encore. Et puis, il y a un autre regard aussi pour nous nier Lorraine, parce que nous sommes quand même partie des communes qui sont les plus impactées, compte tenu du développement marginal qui est fait à ce territoire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, c'est déjà contaminé, mais les sources-là, les rivières-là, il y a l'eau qui est contaminée également. À telle enceinte que soit les pêchés poissons dans la rivière contaminée, ou quand même ce qui dit manger un poisson contaminé. Donc contaminé quoi vous-même. Et nous allons essayer d'éduquer, informer la population pour dire attention, attention, pas aller là, pas faire ci, pas faire ça, pas prendre, c'est pas parce qu'il y a de l'eau claire ou brille. Parce que il a quitté très encore pour les bonnes, mais il y a une idée quand même. Donc il faut faire très attention. Et moi, quand je me rappelle, moi, l'année passée, au fin de l'année 2022, nous organisons donc une grande manifestation, certes, et puis soutien l'ARS, soutien l'État, mais pas que.
nous organisons une grande manifestation pour informer la population. Et pour dire population, notamment l'OM et les communes voisines, que nous mettons en place un brigade qui a les cailles monde de porte à porte pour dire inciter nos manifestants là pour vérifier si on est candidat ou pas. Et les chiffres assez éloquents parce qu'avant ça, il y a à peu près 1000 monde matinées qui étaient affectations. Je dis pourquoi d'après ça m'entend autour de 20 000 monde. Donc pourquoi on peut gagner parce qu'il y a 300 000 monde matinées. Mais pour inciter à faire Tesla 2, les Tesla avaient révélé qu'on est un taux qui, entre guillemets, supérieur à la norme, à la dose admissible. Vous voyez. Et bien, il dit automatiquement en nutritionniste ni des professionnels de santé qui avaient dit wow, pour discuter avec vous, pour passer en revue, sans pas manger la journée dans le caillou, qui sont pas cuits, qui sont pas cuits, qui sont pas cuits, qui sont pas cuits, et peut-être identifier la source là hier, parce qu'elle est tellement contaminée. Alors, nous amenons l'autre combat et puis, notamment en Fredon, pour dire, pour examiner un maximum de terrain, donc les non cavaliers, on va dire, mais il faut examiner le terrain là aussi, pour vérifier si vous n'avez pas nettoyé qu'on en est. Et il y a un exemple que nous prenons, dans le téléphone à l'air, il y a un agriculteur qui a cultivé, qui taille la banque, qu'est-ce qu'on l'école. Mais qui a son parcelle, il doit les coûter parce qu'il y a une ravine qui a traversé la là, qui est chalée. Ouais, et bien, les terrains au-dessus, plus loin, contaminés, l'air a pu tomber, la rigole qui a descendu, qui a passé par la ravine là, la ravine qui a débordé, qui a monté, et bien, qui a contaminé, reste en sol là. Donc, heureusement qu'il fait le test là, et identifier là qui n'est produit, là qui n'est pas produit. Donc, là qui n'est pas produit, qui a cultivé les légumes racines, qui a allé à même le sol pour vendre dans l'état de manger, mais là qui est produit, qui a cultivé des produits, des fruits ou des bananes, par exemple, pour éviter de contaminer davantage. Donc, nous entrons pendant le processus là, depuis 2022 pour aller à la rencontre de la population et des moyens là, pas moins terminer tout communal. En même temps, nous avons fait dans les écoles des sessions d'information et puis les moyens d'école pour être formés à tout ça parce qu'elles sont. Les petits savent aussi. Nous avons fait dans les quartiers, notamment parce qu'on peut utiliser pièces théâtre, et puis Joldou, Simon Maïlou et Kajouadin, pour dire les moments, voilà, ni situation, ni qu'on s'assaye, ni qu'on s'assaye. Parce que c'est important que les moments savent que ça n'est pas consommé, potentiellement peut être contaminé, mais qu'on peut consommer aussi sans aller chercher la contamination. Parce que une monde qui n'a jamais parlé de maman, oui. Qui n'est que 2,75 microgrammes dans son eau. Ça, quand même, époustouflant, ça, quand même, effarant. Oui. Donc, ça veut dire que c'est au bout de la chaîne alimentaire qu'il y a un souci. Alors, bien évidemment, nous avons invité la population à venir à aller faire Tesla. Oui. Et. Moi, j'ai fait Tesla. Dieu veut la c'est gratuit. On va poser ordonnance médicale. Pourquoi aller dire présenter comme vital, puis comme d'identité, directement dans le laboratoire. Et puis, ça va prendre un certain temps, à l'université, 15 jours, 3 semaines peut-être. Voilà, mais il faut faire. Ça, c'est une chose. Alors, par exemple, en lycée, il y a les Kaili, il fait Tesla, et puis il gagne un taux supérieur à sa hauteur capitale, largement supérieur. Donc, tout le monde, quand on va là, il dit non, ce n'est pas possible. Donc, quand il discute avec les Bougas, il y a un nutritionniste, infirmière, nutritionniste qui arrive, et puis Kaili, bon, actuellement, assiste. Et puis on nous dit qu'ils ne savent pas manger la journée, qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne savent pas faire. Arrivé à un moment donné, les gens qui ne savent pas manger, il dit qu'il a mangé poisson. Il dit, mais c'est très bien, mais où l'aura mon poisson? Il montrait le frigidaire, congélateur, il remplit le poisson. Belle poisson. Il dit, là où on pêche le poisson. Il dit, on a pêché le poisson, on a embouché la rivière à Margot. Et malheureusement, la rivière a mis contamination. Donc, à partir de là, on peut identifier source là, ça va toujours évident, mais on peut identifier source là et dire attention, vous pouvez aller pêcher pêcher, vous pouvez aller pêcher l'autre bord, côte Caraïbe là, mais à ce côte Atlantique là, il faut faire attention, là on va aller pêcher. Donc il vaut mieux pas aller pêcher. Et la rivière quand on se loue, donc l'embouchure à Paris, on y a l'eau et Écrevisse qui est carabiné, on y a la gare, on y a Wan. Et toutes ces bêtes-là, toutes ces. Dans l'eau somate, là, soit dans la bouchière qui a net, qui a remonté ensuite la rivière, qui a vu descendre, etc. Donc, on comprend les belles poissons-là, mais malheureusement, ils nous ont empoisonnés. Donc, là, on comprend qu'on va contaminer comme vous-même. Donc, il faut faire
très attention à ça. Il faut nous veiller à ce que ça nous permet de manger, même si ça nous permet de développer pas forcément de meilleure qualité. Puisque nous savons que les contrôles sont évidents, et on m'a dit quand même des laisses, est-ce qu'il y a des contrôles qui arrivent. Alors, moi, j'ai auditeur RLDR, j'ai commencé à crier au 62 88 99, nous là, et puis Olivier Jean-Denis, Mamaï Lorraine, membre du conseil municipal et de majorité, Justin Morfin, Mel Lorraine. Alors, j'ai pu crier, téléphoner 62 88 99, nous là, et puis jusqu'à 6h. Alors, Olivier nous a viré à l'antilabel politique. Oui. Justin Morfin, il manque du Grand Assemblée. Oui. Et toujours accroché au Grand Assemblée, qui s'en vient à dire, mais ça a bien passé. Oui, alors, il n'est pas là, mais il est bien tenu le compte par rapport à lui. Moi, je considère que c'est un dimanche Grand Assemblée qui est important. D'ailleurs, on a salué les militants de l'Assemblée qui peut-être qu'à côté de nous. C'est un mouvement qui est important, c'est un rassemblement qui est important dans le pays. Parce que ça nous. Comment on explique ça? Il faut une organisation. Il faut une organisation. Il faut une organisation. Et une discipline. Et discipline. Et il faut une démocratie. Il faut que nous, il faut que le peuple ait la parole. Alors, ça est important qu'il y ait une organisation et une assemblée. C'est une organisation politique qui n'y plusieurs branches à dents, hein, puisqu'on est le Parlement, on est le Ministre, le Parti communiste. Exactement. Et puis des personnalités comme Justin Parfait, comme Miranda José, comme Gilbert Routurier, comme l'archer qui prenait un rôle à Starley, le jeune archer, voilà. Et puis on est docteur Casimir Max. On est des gens qui sont d'accord pour mettre quoi ensemble, pour mener une réflexion ensemble pour qui devenir pays noir. Et ça, c'est important. Donc, c'est une dynamique qui est très importante, qui naît effectivement des dernières campagnes la CTM. Résultat, ça y va. Mais rassembler là. Et il faut rassembler, continuer, travailler, et puis peuple là, travailler, et puis population. Pour ça, ça y a besoin, ça y a envie, et qui mène les carreaux à l'avenir. Donc, pour moi, ça est important, autant que nous continuions dans notre dynamique. Et puis, qu'on va dire, nous avons des personnalités qui n'ont en mer, quand j'ai de la couturier, ça vraiment rapprécie un pile parce que, pas longtemps que Valère Sauvage s'était appareillé, donc il n'y a pas assez de militants qui en tiennent, qui en croient, qui en saignent, quoi, d'une manière ou d'une autre. La Renaud, si vous voyez ici, il y a 15 jours. Ben, il était né à l'âge de 11-12 ans, le papa était dans le état, il était qu'à échanger du nom, les communications, papa était capable d'associer des événements. Donc il y a un héritage que papa a quitté, mais pas que papa est tout seul, parce que c'était un mouvement, c'était des plaisirs nous. Donc il y a un héritage que a quitté, et héritage de là, ça qui vient, c'est que lui-même en capacité, et lui-même prêt à virer transmettre par les autres en tant que maître, mais il a donc rassemblé aussi. Et ça qui vient à la grosse santé, c'est qu'on est des bonhommes, on est des mondes, des noms, des femmes, qui sont des militants de très longue date, qui traversaient donc les décennies, et qui voient évolution à la fois matinée, qui voient évolution population. Donc, c'est petit m'a dit, respect tout ça, toujours branché. Alors, profiter pour saluer le président de l'Assemblée, pour ça aussi à l'écoute ou autre, mais et puis aussi pour encourager et puis encourager tout ça qui est dans l'Assemblée. Oui, alors merci pour le président, et pas président de l'Assemblée, et porte-parole de l'Assemblée à l'unanimité de tous les composants de l'Assemblée, mais enfin tout ça m'a dit, c'est qu'il vient. Ça allait très bien, le président Marie-Jean. Je pense que c'est dit, ou pas dit. Absolument. Alors, nous parlons de temps pour nous au niveau pas sénatorial fait Martinique. Qui regarde où ni les résultats, qui regarde où ni les résultats, quand on dit regard politique, hein, oui. C'est oui. Moi, en émission Macri, les politiques, oui. Qui regarde où ni les élus, les deux sénateurs de la Martinique. En sénatrice, en sénateur. Oui, c'est ça. Bon, premièrement, nous ne sommes pas des candidats à l'Assemblée.
Merci. Alors, on peut dire rappeler que c'est tout à fait démocratiquement que le Grand Assemblée décidait de ne pas voter candidat. Oui, donc, c'est un acte démocratique qui est fort. Bon, ça, c'est un premier bagage. Deuxième bagage, donc, on est deux sénateurs. Un sénateur, c'est bien un sénateur. On est monde que moi, on connaît particulièrement bien. Et que nous avons échangé, en tout cas de manière cordiale et parfois même amicale. Donc, nous, des sénateurs, ça qui est important dès lors que vous désignez, dès lors que vous choisissez, c'est que vous mettez au combat, pas Martinique. C'est ça qui est important. Je vous dis juste, c'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai promis, c'est ça que j'ai espéré. Ça nous vive au février 74, là, où tout le monde était ensemble, quel que soit obédience, appartenance politique ou autre, c'est que nous tout ensemble, tu es d'accord pour nous te commémorer ensemble, tu es d'accord pour nous te faire la lumière ensemble, tu es d'accord pour nous regarder l'avenir, regarder ça qui fait, et puis projeter pour nous dans l'avenir pour dire plus jamais ça, qui m'en est nous pas fait pour ça pas vivre. Donc ça m'a envie, c'est que vraiment, les deux sénateurs acceptent ou en tout cas le mettre pour les têtes, pour les épaules, pour travailler et parler d'un seul tenant, comme un seul monde, pas Martinique. Et que Dieu acceptait aussi, et que Dieu travaille, et puis les députés, parce qu'il y a quatre députés qui ont représenté nous à l'Assemblée nationale française, pour que ça, qu'elle nous a souhaité, ma pays, nous, que Dieu défende nous. Je vais dire ça parce que. Comment avez-vous ça? Délai, alors, en accompagnant, Dieu a dit bon, oui, nous d'accord pour nous faire ensemble, nous pouvons faire ensemble, nous pouvons aller ensemble, nous pouvons. Aller à un même hôtel là, nous allons dans les mêmes bureaux. Et puis là, on a démarré chaque mois, nous avons trouvé une opportunité de défendre une cause, qui a défendu une cause, et qui a averti les autres, etc. Nous avons perdu tant de temps pour faire ça. Parce que là, nous avons gardé les autres qui ont fait, comme par exemple la Réunion, que nous avons cité un exemple pour le bagage, ou même parfois la Guadeloupe. Les voyous qui ont défendu une cause, ils ont vendu le bout. C'est tout pour nous. C'est ni quatre députés, des sénateurs. Mais le tout plat a dit, bon, mais vous ne pouvez pas la moi, je ne peux pas la vous ne pouvez pas le bien, pas la moi, je ne peux pas le bien, pas la mais nous ne pouvons même pas cela. Et ça, c'est ça mon envie, c'est ça ma carte réellement des parlementaires, surtout pour un pays comme Martinique. Parce que nous, en tournant, mais nous, en sorte d'éveil, en sorte de nous, en immense, c'est pas parce que les 50 ans nous battent dans ça, ou. On a qu'à poser que nous de statut, qui statut pour nous, qui ça nous a côté nous rapport et qui gauche nous rapport. Mais il faudrait ça nous a défendre, nous a défendre ensemble, pour venir ensemble, pour nous ensemble. Alors est-ce que parfois, ça on va dire, ça serait belle, on paraît envie de créer tout plus de soi, mais nous savons comme des élus qui n'ont qu'à. Il n'y a pas qu'à comporter comme nous. En élu pour la cause martiniquaise, mais en élu du prolongement du gouvernement. Okay. Ma capable d'exemple qui est réel en ce moment, les députés votaient pour mettre en cause la responsabilité de l'État devant le club du Congrès. Ça calait, dans ce cas qui est le cas de la navette, il calait qu'il y ait des sénateurs. Or, des sénateurs à Mina, ils ont rattaché à Macron. Oui. Est-ce qu'ils allaient voter contre Macron? Est-ce qu'ils allaient opposer pour Macron? Bien fait, ben oui. Bien fait. Non, mais ça, question importante, ça, on va dire. Pour dire que ça, on va dire, à très belle, oui. Ça, je crois que bon, voilà. Oui. Mais comme on avait dit, nous aussi, mais en France, nous disons parti politique. Oui, oui, parce que le parti, on va plonger dans un grand groupe, dans notre grand groupe, qui a dit, ni ça vous dit, ni ça vous pas dit. Mais il n'y a pas qu'à pour nous songer, et c'est comme on vit au songer, c'est d'abord la cause martiniquaise. C'est-à-dire que si vous savez que c'est un bail qui a la rencontre de ça, nous qui avons ça, nous les, et moi, nous qui avons ça, nous, il faudrait défendre ça. Il ne faut pas entrer dans la même dynamique-là. Alors la majorité qui a voté, c'est ça qui a fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des contre-là, vous votez, il va gagner combien pour combien contre, et puis là, c'est ça qui pourra gagner un peu terminé. Il ne pourra pas le dire ça. En tout cas, il va qui a fait la navette et qui a continué à chimer. Mais ça qui est important, c'est que nous défendons cause ça, nous d'accord pour payer nous. Et pas ça, les autres envie que nous fait. C'est pas ça, les autres envie que nous vivons. Envie que nous vivons. Alors, moi, je me dis qu'à partir de là, il faudrait
pas député, mais pas sénateur. Donc, on ne peut pas dire que mon gars allait, mon gars dit président, ni comme ça, mon gars, oui, pas prendre tête moins, pas emmener moins, et puis ça. Mais en même temps, il faut que ça dise attention, stop. Vous savez là, vous avez un corps qui est sensible, et quand sensible là, mon piqué peut passer la main en l'air. Vas-y, mon gars, oui. Non, Vladimir, tu déposes vos questions. Oui, mon gars, oui, monsieur Isabelle, bel bonsoir. Alors, nous tenons ici, Brescia, le collectif des habitants de Grande Capo, oui, qui est un petit moment dit ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une nouvelle eau et puis ça, pour une situation, c'est nous qu'on a évolué. Et puis, deuxième question, Nicolas. Nous avons cette campagne de sécurité en cause sur l'octroi de mer, qui c'est en part importante du financement des communes, notamment, et donc après, c'est Lorraine, comme toutes les autres qui ont bénéficié du l'octroi de mer pour financement. Investissement et fonctionnement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dévoiler ça? Oui. Oui, collectif Global Capo. Alors, aujourd'hui, je joue Global Capo dans le robinet. Global Capo est régulièrement au robinet. Alors, peut-être pas capo dans d'autres robinets, hein, à sous d'autres quartiers. Hein. Alors, on aura appelé Kamala, c'est Paul Mac, qui est venu ici. Non, pas Paul Mac, Tony. Kamala, Tannik, ouais, c'est Tannik. Ça, Tannik, qui était le rapport 2023. Le rapport effectivement, oui, c'était l'année passée, effectivement, mouvement et association. Donc, il y aura continuer à militer, il y a toujours vent debout, vous pouvez ça négocier actuellement encore le remboursement, en fait, de saloper, enfin, l'annulation des factures. À cette période-là, où le mouvement est calé, où il y aura des millions de robinets. Donc, on va continuer les négociations par là, et puis président Cap-Nord, notamment. Il y a un bloc à couler en robinet, parce qu'effectivement, les interventions techniques qui sont faites pour remplacer des portions de tuyaux qui étaient abîmées, qui étaient cadagées, qui étaient explosées à tous les 5 mètres, 10 mètres, et qui a explosé à chaque jonction, qui a explosé, empêcher le niveau en robinet. Donc, ça a réglé, parce que les portions réparées, entre notamment. Macédoine, enfin, c'est la portion qui est passée de Macédoine pour Ivégis, Monde Capo, qui a passé par Bon Repos. Donc les portions qui étaient abîmées, très abîmées, et réparées. Ce qui fait que je n'ai plus qu'à couler en robinet. Mais le combat n'a pas arrêté. C'est un combat général parce que, il ne faut pas oublier que l'engagement de la collectivité prend, la collectivité territoriale prend, c'est de refaire toute canalisation. Hein. De mettre à neuf, parce que c'est des canalisations qu'ils ont mis 50 ans passés, qu'ils ont assez vieilles et qui ne peuvent pas tirer la belle là. Mais Martinique, même globalement, c'est même engagement parce que, à ce pays-là, ben, toutes les canalisations qui sont faites par les anciens élus et par les anciennes sociétés, qui, je dis, ne peuvent pas tirer encore. C'était faute pour la plupart, mais ne pas casser ça encore. Donc, ces canalisations arrivées. Le mérite remplacé, mais sur l'ensemble de l'île, sur l'ensemble de la Martinique. En tout cas, aujourd'hui, Yoniglo, il y a peut-être plus des problèmes d'Internet qui glosse ces jours-là, mais Yoniglo en robinet. Et est-ce que les engagements, la CTM, respectés là, pris là Oui, en fait, en tout cas, les travaux, eu aux gens qui étaient pour faites. C'était affaire avec 110, 120 000 euros, ça fait. Les travaux importants qui étaient pour faites. On a pensé que là, nous sommes dans les phases d'études pour ça qu'on les aurait fait pour à la fois traverser des terrains que vous ne pouvez pas traverser encore, parce qu'il y a des portions de tuyaux qui ont tiré et vous m'en avez fait des années, etc., qui très profond, on ne peut pas accéder encore, les bois qui poussent tout partout, à sous chemin, canalisation, donc ça inaccessible, et ni des côtés qu'on ne peut plus passer, mais pas passer encore. Donc, on a pensé qu'il y a une phase d'études là. Il faut qu'on soit toujours vigilant à ça pour que ça qui dit qu'il est fait dans 3 ans, pas fait dans 5 ans. Alors, une deuxième question, oui. L'octroi de mer. Oui, alors l'octroi de mer. On dit là, effectivement, les mairies qui ont bénéficié de l'apport de l'octroi de mer dans un budget. Et donc, que si la mairie a d'un coup d'un seul pas mis l'octroi de mer, il y a une réelle difficulté d'équilibre budgétaire. Déjà que ça n'est pas évident à l'heure actuelle. Il y a un lot mairie qui. Il y a un lot directeur financier, directeur général des services, mais qui n'a qu'à compter. Qu'à compter des tuyaux. Qu'à compter centime par centime, mettez plus la tirée moins cela pour regarder tout le monde, on va équilibrer le budget.
pour que la Chambre régionale des comptes parle ni, mais qu'il y ait des affaires dans la commune. Là, je pense à ça. Donc, là où que tiré, il y a un problème d'équilibre budgétaire. Là où tiré, il faut remplacer par un barrage. Les remplacements que l'État a décidé de faire, pas toujours honorés exactement comme tu décidé là. Donc, au même rythme. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas la mairie à trouver quand il y a des difficultés à ne pas savoir quoi faire. La mairie, c'est lui qui a porté le centre communal d'action sociale là le plus souvent. Donc, c'est lui qui a fait le travail social là de proximité, c'est lui qui a mené. Si on a diminué revenu, il y a des travaux, il y a des bagages qui piquaient ça fait encore. Il y a des investissements qui piquaient ça fait. Et le parfait investissement, par exemple, pour un stade pour le gymnase là, nous l'aurons. Soit nous pas vu investir pour virer mettre y aller. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est qu'il y a un terrain vague. Donc, est-ce que les sportifs, est-ce que les jeunes mamans, qui d'abord, ne peuvent pas mis en côté pour s'entraîner, jouer. Ça fait qu'il possible. On ne peut pas imaginer ça. Donc, Macan dit qu'il faut aller plus d'abord dans les affaires pour le maire. Il faut faire attention à ça, qui a dit qu'il faut tirer, il faut faire si ça réglé ses débuts. Nous sommes que nous n'avons pas désiré. Bon. Et les ouais, ça qui a géré les prix, c'est ça? Pardon? Ça qui a géré les prix. Mais on peut parler, RLD, on peut parler franchement. Alors, nous avons dit franchement que tout le monde qui est tiré le port de maire, il n'y a qu'à pointer du doigt le point de vue, faire la population comprendre, faire les consommateurs comprendre que c'est à cause de le point de mer que les produits chers. Ouais. Or, ça n'est pas vrai. Nous savons pertinemment, et le MIM, et notamment dernièrement, c'est qui fait partie de Moon, qu'ils ont demandé de mettre en le même élément, il y a mettre montant TVA en ticket de racheter. Mettez mon temps au plan de mer là aussi. Oui. On ne peut pas mettre jusqu'ici. Oui, c'est bien mis pour faire. Or, on sait bien que c'est notre plan de mer en fait pour protéger la production locale. Alors, on va avoir un exemple bien précis. Ça veut dire que au cas fabriquer le meuble bavoui, par exemple, oui. Et puis qu'il y a une meuble qui est entrée, le meuble qui est entré, il est taxé pour ne pas venir du régime de production locale. Et ça, ça va là pour beaucoup de produits. Alors, faut la population comprendre que là encore, il y a quelque chose de contexte, oui. Et c'est ça le gouvernement a demandé. Au-delà de la bagarre, Vladimir? En tout cas, oui, moi, entièrement d'accord avec vous. Il faut que vous fassiez très attention à ça. Il ne faut pas nous, quand on va en grand bagarre, et qu'il y a des que c'est la faute de ci, la faute de ça, si le prix a baissé, il peut baisser. Si puis il a pu adapter quoi la situation insulaire nous, il peut adapter quoi la situation insulaire nous. Mais comme en pays et surtout sous l'importation, on a des situations, on va parler de monopole, des quasi monopoles en le bagage. Donc ça compliqué pour que fait barrel a évolué. Mais c'est pas le problème qui permet nous en plus en difficulté, c'est pas du tout ça. Donc faut qu'on fasse très attention. Maintenant. Il faut évoluer, évoluer aussi. Il faut qu'à un moment donné, que, ça me l'est fort pour moi, c'est que tant qu'on n'a pas de responsabilité, tant qu'on n'a pas à jouer avec ça, il faut que la production locale là amplifie. Il faut que la production locale là amplifie. Alors, ça n'est pas toujours évident, parce que les produits, quoi, par exemple, les matières premières, etc., ils sont tellement chers que finalement, ça a débouté ça qu'il est dans ces coyotes à sous cette production. Mais il faut que la production locale amplifie quoi. Et à chaque fois, c'est bien accompagné. Il faut que nous-mêmes, des fois, accepter de tenir une nouvelle production locale là, pour de temps en temps, aider le métier quoi, en activité. Autrement, il y a le métier qui disparaît dans le pays. Il y a l'activité qui disparaît. Il y a des quantités de production agricole qui disparaît. Il y a des produits agricoles que je ne peux pas prendre la peine de faire gagner mon corps. Parce que c'est plus facile de dire qu'il y a une grande surface. Il a vu de l'importation, nous avons fait sur place et puis nous avons manger et puis nous portons. Mais nous pas forcément savoir qui peut faire la semaine, qui qualité sanitaire lui, qui contrôle, qui fait dans l'œil. Donc, il faut que nous fassions aussi, nous n'y a pas de nous garder pour nous, nous pensons simplement à nous positionner pour nous par rapport à ça. Est-ce que nous avons aidé pour nous sur le plan là ou est-ce que nous n'avons pas qu'à aider?
Alors, moi, quel propos, c'est Vladimir, même si là, nous avons un spécial directoire de bienvenue ici, hein, pour nous développer de façon. Quitte à ce qu'il y ait un débat contradictoire, oui. Parce qu'il faut faire la démonstration que le toit de mer n'est pas responsable de la hausse des revenus, c'est les grands distributeurs de matières de tous les jours, c'est-à-dire les grandes surfaces, CIO, c'est pas de monde, qui a demandé la suppression de le toit de mer. Alors, et nous savons aussi que toute commune, si on parle de toit de mer, il y a tout. Mais ça a créé un déséquilibre budgétaire qui est flagrant. Et à partir du moment où il y a des déséquilibres là, si tant soit peu qu'il y ait baissé les prix de la consommation, c'est-à-dire que l'enlèvement, la suppression va baisser les prix de la consommation, ça veut dire que manne financière de la pique à transférer là, en poche des contribuables, proche des contribuables, mais ça veut dire que la collectivité a été obligée de réagir chez les proches des contribuables parce que fort. Pour que vous mettez un niveau, pour que fonctionner normalement. Pour ne pas perdre la règle, projet, avantage que vous avez mis et que service ou pas à la population. Bien. RLDL, belle bonsoir, nous parlons de vous. Belle bonsoir, Mickey Duval. Belle bonsoir. Belle bonsoir, Mickey. C'est toujours Bruno. Fidèle auditeur. Et Faux de France. Alors merci à RLDL Politique. Merci aussi et belle bonsoir à Vladimir. Qui a son travail total dans la technique pour réaliser l'émission, mais aussi pour prendre ses appels loin et passer du à l'antenne. Et permettez-moi, Mickaël, de saluer aussi les anciens invités de l'émission et toutes ces auditrices-là et ces auditeurs qui ont écouté RLDM après-midi. Merci, Bayo. Merci, Bayo, et merci pour ces questions aussi qui font top. Très bon souhait, monsieur Jean-Denis. Bonsoir, Bruno. Ça va, Olivier? Ma Kachelbe, merci. Au Kachelbe, bien. Nous avons la radio qui a levé nous, maintient nous tout compte. Et ça vient qui au présent. Je sais dit qu'il vous connaît bien tous ces dossiers-là. Donc, ça va sûrement avec nous. Hein. Et je pense que si vous êtes étonné que le conseil municipal, je ne vois pas qu'on met à toi. Mais adjoint sans titre. Mais sans titre. Pas n'importe qui, c'est le travail là. Monsieur Jean-Denis, qui s'en habitue d'ailleurs, émission RLDM, absolument. À toutes ces questions, bravo. Alors, ça m'a mis la petite fesse, et vous rajoutez cette question au Vanguard, qui est posée au. Ah, on peut poser bien direct à Bruno, il a noté, il a répondu, il n'y a pas de problème. Avec la libération. Ça qui vient, c'est qu'en soi, mon rapport, c'est vrai. Ça qui est permis, c'est Jean-Denis, développer ces réponses-là. Absolument, oui. Alors, voilà. Alors, première question. Non, mais avant toute chose, mon carré a surmonté le Bruno pour encouragement, pour bienvenue encore sur le témoignage à ce RLDN. Et dire que. Alors, il dit que mon capitaine n'a pas les cons. Oui, en fait, ça m'empêche de répondre à ça, c'est qu'à partir du moment où conseiller municipal, vous savez que vous êtes candidat, certes, pas tête de liste, mais candidat en instant T, et à partir du moment où vous engagez, il faut mener à bout ça ou dit que vous pouvez faire, parce que là, vous pouvez parler, vous pouvez répéter, voir ça, voir, vous pouvez dire que vous avez fait tel bagage, vous avez engagé comme un tel bagage, il faut que vous fassiez. Donc, ou bien fait, il faut qu'on prenne le temps, garder tout ce qu'on va faire, garder, étudier le maximum. Et le conseiller municipal, c'est qu'on le voit à CCR dans l'association, eh bien CCR, et y amener à remplacer le président de l'association à telle rencontre, telle réunion, tel côté, tel bail, donc vraiment au courant. Je n'ai pas au courant du tout le bagaille, malheureusement, parce que ni des dossiers, ni des champs sur lesquels je n'ai pas intervenu, et que je n'ai pas ni temps d'intervenir, mais c'est vraiment une passion que je comme on a mis comme au service, comme on a travaillé au bon Justin, et puis les autres conseillers et adjoints l'auraient. Ouais, merci en tout cas. Merci à vous, c'est Fabou Caton, ici Jean-Denis. Et il y a trois domaines où c'est un expert, c'est citoyenneté, insertion et puis culture. Alors, première question, nous vivons de vous, c'est tenir en moi, ici, tenir comme la balle, et tenir la
la grande parade du Nord, qui fait de l'Orin. Oui. Alors, qui retombe les autres, quelques jours après, qui ça va côté commune là, et puis, à ton même période là aussi, il était initié Jean-Michel Marie, qui frappait petite, meilleur cacao du monde. Alors, ici, Jean-Michel Marie, c'est un produit de cacao lorrain. Alors, là aussi, monsieur Jean-Denis, est-ce que ça a dit choco-tourisme? Qui ça, ça va porter la ville lorraine? Est-ce que ça a dit des retombées immédiates? Alors, troisième question, si vous voulez bien, c'est demander au aussi conseiller communautaire. Oui. Alors, respect de nous, parce que nous avons ça, l'espace, mon cassure, ça va faire la cassette. Esprit de nous, monsieur Jean-Denis, qui m'a dit ça va passer? Non, par la commune Lorrain. Et puis, dernière question. Donc, mon conseiller municipal, oui, ça fait, m'a dit, ou déchargé de la citoyenneté, après de l'insertion, et on connaît pour être totalement dans tout le dit. Moi, j'ai demandé, monsieur Jean-Denis, est-ce que tu étais favorable à ce qu'il y aurait été, parce que j'avais capoté formation d'agneau, ça fait quand même aussi sorti du caillou, parce que même si vous partez des années, vous êtes à une chanson. Et il y a un lot pour que ça change la vie. Je ne sais où même qu'il a dit, ça va y avoir une discipline. Alors, est-ce que tu es favorable pour qu'il change une insertion à ce qu'il y aurait été services militaires qui ont été avant, pendant au moins 9 à l'année? Alors, est-ce que tu es favorable à ça? Et puis, qui avantage nous, c'est Kenny, Lorrain et toute ma clinique? Alors, merci, monsieur Jean-Denis. Bah, présent sous réponse là, c'est une très bonne question, Miguel. Et merci à Miguel, toute l'équipe RDM, pour ces très bonnes émissions politiques, nous n'y besoin, qui sont échangées avec nous. Donc, c'est important. Alors, bon après-midi, messieurs. Merci, Bruno. Merci à tous les deux. Et puis, en bon après-midi. Ah ben, alors, parmi ces questions-là, on pose la question que Mme Degay posée concernant Cap Nord. Eh ben, nous allons quitter Jean-Denis le temps de répondre. Donc, on va aller dans l'autre volet. Oui, absolument. Le passant, il faut connaître le mien, peut-être. Ah ben, c'est un auditeur et qui est toujours très poli, très informé. Elle est tout ça qu'a fait dans notre commune. C'est très bien et il faut que nous nous ça en pays. Grande parade du Nord, on rappelle dans l'or, Grande parade du Nord, c'est en manifestation vraiment phare effectivement à ce territoire-là. Il qu'a fait Lorraine, il qu'a fait et puis l'association particulièrement donc Baril Bang, donc à saluer Yvon en passant, Lorraine, puisque c'est Yo qui initiait des manches d'Ala, et donc chaque carnaval, en tout cas 8 jours avant les jours gras, le dimanche qui précède les jours gras, et bien il qu'a fait, comme je proposé, Grande Parade du Nord. Là, on en est à là, c'était 24e édition, donc qui connaît un vrai succès. Vraiment, au dire de tout ça, nous payons sur les réseaux sociaux, ça nous donne dans les radios, les différents, et le rapport que nous fait, c'est vraiment une manifestation qui tenait un bel succès. C'est parmi les plus belles parades qu'il y a en pays autour du carnaval, en tout cas de la production carnavalesque. Alors, nous n'avons pas gagné par rapport à cette parade-là, nous en train de virer point, en niveau pour qu'il n'y retombe, on dit économique mais touristique canadien. Pourquoi? Parce que il a fait 8 jours avant les jours gras, comme on dit, ni peut-être 10 000, 15 000, peut-être même plus de monde qui a venu, ni un millier de carnavaliers, etc. Dans l'état là, nous faisons une modification, c'est-à-dire que nous changeons légèrement par rapport là, nous agrandissons. Parce que nous décidons que nous allons proposer les groupes à pierre, stade là, pour organiser quoi, depuis le matin, pour l'aide parade la démarrer, il y a parti du stade là, en tout cas, il y a parti du plus loin, et puis faire grand parade, faire toute démonstration. Nous rouvrons dans l'état là, qui veut plus les commerçants ambulants,
tout en maintenant le fait que les commerçants locaux vivaient d'activer quoi il y a à faire. Il tenait beaucoup plus de commerçants en ville, ambulants. Nous fermer la ville la plus bonne en état là, donc depuis Nevers, pour éviter que les gens qui vont se garer autour de nous, dans le parcours là, et puis après nous avons des difficultés. Donc nous fermer la ville la plus bonne, nous réduire les transports, donc la traversée, et nous mettre des non-négociés puis ces transports là pour que n'avait pas dit de Marigot pour amener les gens vers le loin, et n'avait pas dit de Ajoubabouillon qui passe pointe ou plutôt pour ramener les gens. Ni en organisation que nous modifier, que nous adapter petit à petit, de manière à ce que Grande Parade là vraiment au top. Et puis, question de sécurité, nous allons mettre les moyens, parce que faut donner un agent de sécurité. Loin, en termes d'intégration, c'est un vrai passoir, mais c'est-à-dire qu'on a tellement de possibilités d'arriver vers le bout que faut qu'on cerner toutes ces quotas-là pour éviter que le monde entre pour faire vagabondage dans le carnaval là, dans l'organisation. Et les canards, donc du coup, là, à la fois la gendarmerie, mais nous, des agents de sécurité, des sociétés de sécurité que nous avons missionnées pour ça, pour que ben, la paix belle. Ça, nous avons souhaité, c'est que l'année prochaine, il y a encore plus belle et que économiquement, nous commençons vraiment à bénéficier des retombées. Parce que il y a possibilité que nous gérions l'animation du matin jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à ce que le paragraphe finisse. De manière à ce que tout ça qui est présent peut profiter vraiment, j'ai correctement. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, pour que nous puissions aller proposer des tours opérateurs, des touristes, parce que c'est en période touristique, que nous finissions depuis le matin et que nous proposions un certain nombre d'activités, que ce soit maquillage, confection de qui nous a vêtements carnaval, confection de costumes, travestis, etc., etc. Donc, nous, là, quand réfléchir à ça, regarder pour que l'année prochaine, si Dieu veut, nous veillons et que nous mis des retombées touristiques, à la fois pas pour la mairie, parce que ce n'est pas ça qui est important, mais que les commerçants et puis les associations qui ont tourné, qui ont gravité autour de ça, vivent d'y bénéficier de quelque chose. Indépendamment des tours opérateurs, ces touristes là quand même venir. Oui, les canis touristes, exactement. Les canis touristes qui ont venu de manière spontanée. Parce que l'information, quand c'est utilisé. Et il a fait publicité aussi. Et il a fait publicité. Nous avons fait publicité au niveau lorrain. Mais il faut savoir que les radios, les télés de Martinique, que ce soit les grandes chaînes que les petites chaînes, tout ou non, qui a annoncé très tôt une grande parade à telle date. L'année prochaine, je me suis dit, c'est le 25 février. Donc, 2025. Donc, tout ou non, on a préparé pour eux. Nous avons commencé à préparer pour nous. Pour que nous fassions des grandes parades l'année prochaine, là, encore en majestique parade, pour permettre effectivement les retombées économiques à tout ça. Et nous entièrement d'accord avec nous, on laisse ça. Il faudrait des retombées économiques parce que c'est 15 000 personnes qui ont à peu près en moyenne qui arrivent à ce territoire-là. Et il faut que nous maintenions au niveau sécuritaire pour que nous bannions le problème qui fait ça. C'est violence de Martinique. Exactement, pour créer l'autre. Et du coup, valorisation, et tu as parlé de Jean-Michel Marie par rapport au cacao. Oui, c'est Bruno qui m'a dit ça. Il m'a dit ça. Premier prix du cacao. Et même Mado qui t'a gagné en tourisme de cacao, on va faire ma mère expliquer ça. Oui, ça a tourné autour de ça. Et ça m'a dit, c'est qu'effectivement en 2020, elle nous démarre, nous, t'es quatre travail et puis en production de cacao, loin. Qui est entré dans l'organisation sur la du Val Capo, qu'on a la même, qui obtient un prix. Parce que Martinique n'est pas loin, seulement on n'a pas pensé qu'il y a plus l'autopsie, mais français, ni des plantations cacao qui n'ont des dizaines, des décennies. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Et puis nous aussi trouver qu'à Martinique, nous des cacao qui est endémique, une espèce de cacao qui de caillou. Et qui est d'excellente qualité, vraiment, qui est d'excellente qualité. Val Capo fait un travail pour peut-être mettre en valeur cacao et puis faire créer créer en richesse, c'est-à-dire que Bayan Valais est positionné. Missier, Lorraine, à son exploitation de cacao, Jean-Michel, gagne Pria récemment. Ce qui est une très bonne chose, et ça nous prévoit d'y faire, c'est de faire un point et puis il y a tout ça,
pour nous payer justement amplifier la dynamique là. Nous avons fait l'ouvrir que nous avons retrouvé ça de l'autre côté. À Pâques, nous avons fait de riz au chocolat à base de lait de coco. Donc, lait de coco a remplacé lait de bœuf là, parce que c'est Pâques, c'est vendredi saint. Et puis, chocolat qui a venu adouci, qui a venu créer goût particulier. Nous avons fait ça l'ouvrir. Et là, on va faire le marché de Pâques en général, donc là, le dernier marché de Pâques, encore voilà, à la fin du mois de mars, ça nous va faire, nous va profiter de mettre les producteurs cacao en avant, pour faire montrer ça et ça fait. Ils ont une excellente farine. Oui, les farines, le limier qui a fait farine, qui a fait cassave, etc. Donc, c'est. Question-là, moi, bien content parce que ça veut dire que Nimoun qui est attentif à ce qu'il a fait et qui est attentif dans le sens où le rapproche des coyotes, comment on peut tirer et faire une affaire. Mais il y en a un autre pareil qu'en termes de valorisation et que nous avons fait ces jours prochains, ni le classement UNESCO des pitons et montagnes, oui, mais ni en montagne. En plutôt Kainou, c'est le mont Jacob. Il y a deux classements. Donc ça nous a fait, c'est le prochain. Nous avons fait en réunion publique, nous avons fait le parc Vini, le parc naturel Vini, nous avons fait l'ONF Vini, nous avons fait la CTM Vini, tous ces mouvements qui tournent autour du classement UNESCO, pour dire, venez expliquer population, venez expliquer les élus, venez expliquer les populations, qui ça nous peut gagner autour de ça, qui moyen nous peut développer en activité, que ce soit commercial ou autre, en service, autour de ça, pour qu'il n'y ait pas tombé aussi à ce territoire-là. Parce que là, dans des petits, maintenant 10-11 ans, on a toujours connaître que 40 touristes sont arrivés. Bon, quand même, ils ont été démarrés, parcours randonnée, Mont Jacob, pour entrer Mont Rouge. Donc, ça, ou aller Mont Rouge, vous pouvez faire l'aller-retour. Donc, ça veut dire que, économiquement, nous pouvons virer, lancer quelque chose. Et comme il est classé à présent, ben nous avons ça aussi pour nous faire. C'est vraiment un travail important que nous avons essayé de faire. Alors, non pas au développement économique, parce qu'il y a un collègue qui a sous ça, c'est Mika, mais on travaille très souvent avec lui, parce que, pour moi, le développement social, hein, l'ordonnance sociale, l'insertion, eh bien, il faut qu'on y ait en visée à sous ça qui a fait en termes de développement économique. Il faut qu'on travaille pour qu'il y ait un développement, pour que l'insertion lui-même puisse trouver place. On ne peut pas former nous, nous pas un travail pour faire. Par contre, si nous avons développé cacao, on dit un touriste là autour du cacao, si nous avons développé manioc là, touriste autour du manioc là, si nous avons développé les parcours de randonnée, donc la visite du Mont Jacob et autres, ben ça va permettre nous d'accueillir des nous qui est potentiellement dépensé en argent et qui aillent ramener des deniers à ce territoire là, qu'on nous fait pour cheval là et qu'elle nous l'intention est un lien. Alors, pendant qu'on parle là, on va gagner d'un peu moins, puisque nous avons l'activité équestre. Oui. Mais nous savons que parmi les équidés, il n'y a ni cheval, il n'y a ni millet, il n'y a ni bouique. Est-ce qu'il est peut-être intéressant à terme hein, de voir comment, par exemple, la récolte du cacao se fait et puis ramener au hangar à Bademulet. Oui, Bademulet à Loudan. Oui, Boutipa, oui. Ça, et alors, il y a la plantation, nous avons visité de manière régulière, nous avons organisé des parcours de randonnée. C'était des visites guidées que Fiane a fait avec nous, en Didi, plantation Didi Montcapo, plantation Cacao. Il y a fait cacao, grillé, marché, passé, mouliné, pour récupérer crème cacao. Mais il y a fait aussi visiter plantation. Donc, c'est un parcours pédestre. Et puis il avait la capacité là, donc il a fort visité et c'est une prestation avec les gavons, qui est une prestation totale et nous-mêmes intimement là, nous-mêmes comme nous, et tout le monde qui a trouvé ça formidable. Donc peut-être des moments de CGV, ça peut être poney, ça peut être cheval, ça peut être millet, mon cardiaque qui a fait nous visiter. Alors, il y a une question sur Cap Nord, sur le OMM de Cap Nord. Oui. Quand je me suis passé ici, et qu'à recruter investissement président Cap Nord à Nakoba Noa, souvent absent. Alors, comment se passent les choses à Cap Nord?
Est-ce qu'il y a un dire, à moins dire, à pointer du doigt? Oui. Alors, moi, effectivement, comme vous le dites, moi, délégué communautaire donc, pour la ville de Lorraine, moi, et Justin Porfil, notamment, qui monte de. Oui. Alors, mon membre du bureau communautaire, et Justin, et Justin Porfil, Maya, membre de l'Assemblée communautaire. Ça m'a dit que par rapport à Cap Nord, ça nous a bénéficié, c'est que, par exemple, ouais, nous parlons du février 1974, nous, toutes les communes obtiennent la labellisation, ouais, si c'est pas l'origine, labellisation pour organiser ça ensemble. Et labellisation d'abord droit en financement. Nous, l'année passée, nous obtenons une labellisation pour nous faire mois de mai, parce que nous avons action de papier marronnage au Lorrain pendant mois de mai, donc autour du 22 mai de la lutte anti-esclavagiste. Nous avons fait des activités culturelles toute l'année, toute mois. Donc nous obtenons une subvention notamment à l'ESA. Mais là, moi, particulièrement content, c'est à sous des bagages qui étaient des dossiers qui ont considéré qu'ils étaient ankylosés. Premier, c'est la réhabilitation station d'épuration. Parce qu'il était arrivé au maximum des capacités, comme population évoluée, ni HLM qui construit tout ça. Donc, il dérive le maximum de capacité de production et de traitement des eaux usées. Et je vois 10 jours, et en réhabilitation. Et ça fait partie des bagages qu'elle m'a réclamé. Et dans les discussions que nous tenions à la fois dans le bureau, mais à la conseil communautaire, pour te dire, ben, si forfait, il faut que nous organiser comme nous pour nous faire. Et donc, à féliciter le commun du fait que Cap Nord a engagé chantier et plus près la fin que le début actuellement, parce que. T'as mis deux points fortes de régler le premier, t'as mis un point en poste de refoulement proche-mort où t'es fait parce que réhabilitation quartier proche-mort là mettait en lumière un certain nombre de dysfonctionnements de l'assainissement. Donc t'as mis un poste de refoulement fort fait là ils ont fait. Ni un autre côté, un autre quartier pavillon qui t'as mis un autre poste de refoulement où t'es réhabilité là aujourd'hui jour il fait. Et puis station d'épuration qui a trouvé le quartier sous bois. Qui a augmenté la capacité, donc à base autour de 2200-2500 équivalents habitants. Et en réhabilitation, les travaux qui ont avancé bon train. Donc, on a pensé que dans les prochains mois, nous allons être délivrés. On nous dit qu'enfin, question assainissement, eh bien, il est réglé à la fois pour ça qui était dans la souffrance par rapport à le nombre d'habitants, mais ça qui est venu pour porter construction lieu de même matin, si tu veux, parce que les stations d'épuration ne peuvent pas accueillir encore. Eh bien, il y aura limiter le nombre de constructions nouvelles pour éviter que nous devons qui bougeons pour y aller à la station. Donc en tout cas, ça carrément c'est bon train et bien vraiment content que nous arrivions à faire démarrer le chantier d'art. Il y a un autre chantier qui est encore plus grand envergure, ça va créer Kalinoukaïka, c'est le centre précolombien, le centre d'interprétation de précolombien de Vivé, qui a fait à sous alors, deux tranches, en tranche 11 hectares, en tranche 14 hectares. Donc, les travaux démarrés, donc l'affaire en état en 2024, donc ils démarraient en 2022. Et ça aussi, c'est des questions sur lesquelles, moi, dès le début, moi, dit qu'il faut que nous trouvions une solution pour opération de la démarche. Pour imaginer que ça, un projet, était qu'un architecte là qui était dessiné là, n'a pas tiré en retraite ni longtemps. Donc, c'est pour nous, ça tenait plus de 20 ans, et pour moi, pas dit 30 ans dans les dossiers. Qu'il faut côté arriver à petit. Par contre, les financements fléchés, c'est-à-dire que l'origine des financements, souvent les financements européens, ils ont fléché, ils allaient en attente, mais ils ne peuvent pas arrêter là en attente éternellement. Sauf pas démarrer l'opération, hein, pour qu'on ait un vrai problème, parce qu'on va payer, il faut qu'on vire faire le mandat. Donc, ça, c'était l'un de ces combats hein, dans le bureau, de dire si nous n'avons les moyens, si nous payons, nous n'y tirons rien. Ni financement qui est accordé, il faut que nous démarrions l'opération. Donc là, aujourd'hui, c'est une opération qui a avancé également et qui peut permettre d'autres territoires, là, un attrait touristique, mais un attrait culturel, historique, parce que Vivé peut accueillir le monde pour montrer de quelle manière les villages précolombiens étaient faits avant. Parce que là, nous trouvons un lot vestige, un lot élément précolombien. Et il y a un lot d'ailleurs qui allait au musée, donc à l'Anspiguier notamment.
Donc, ça c'était important que je devais mettre ça d'aplomb et ça était là. Donc, pour moi, ces deux opérations-là, c'était des opérations qui étaient d'importance et pour le territoire-là, parce que ça a généré de l'emploi pendant les chantiers, mais surtout après, parce que les activités pourront reprendre l'activité économique qui peut développer quoi, culturelle, économique, touristique, etc. Alors, nous, quand même, c'est le cas, j'ai encore passé une question. Donc, quand on a fait pas bouillon, quand on a fait mon mouche, quand on a fait Saint-Pierre, il y a un problème de mouillage là. Est-ce que Cap Nord, il n'y a pas rien à voir ça? Oui, parce que c'est un projet Cap Nord, de faire une zone de mouillage pour éviter que les plaisanciers mélangent quoi eux et puis les marins pêcheurs et que les grands bateaux, paquebots 40 à présent, bon, pour chaque moment, trouver le placio. Mais ça n'a pas si évident que ça, parce que ça qui était peut-être pour une 4 ans. Le programme de l'étude là n'est pas forcément vu aujourd'hui, mais on a fait réellement. Et puis, le territoire là qui a bougé, ni monde qui est arrivé, ni monde qui a parti. Donc, il y a un désaccord qui fait entre les marins pêcheurs aujourd'hui jour, et puis projet A, que Cap-Nord qui a porté là. Donc, du coup, le président Cap-Nord a arrêté ça. Mm-hmm. Nous arrêté, donc il a arrêté là aujourd'hui jour, et il a attendu l'étude faite. Donc, il a relancé les études. Je vais lancer des concertations, parce que ça aussi c'est important, que les discussions qu'il fait, pour savoir qui manière, donc quand je vais mettre les zones de mouillage, s'il faut mettre une totale, pas totale de mi, etc., à quel niveau pour permettre les marins pêcheurs de continuer de vivre de la pêche. Parce qu'il paraît que sur les lieux, au niveau comportement pas très humain oui. de la part de certains étrangers oui. et vis-à-vis des locaux. Mais bien sûr. Mais c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas organisé, ça veut dire que c'est un grand aval, enfin, quand il y a un aval, on va dire ça. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie totale. Et il fallait ben, l'organiser. Donc, ni quand même en organisation à vrai. Alors, quand même, si le projet A tel qu'il était présenté au départ était pour fait, n'est pas fait de même manière, mais il faut revoir les choses, mais il faut quand même qu'il y ait mis des zones de protection pour que les marins pêchent pas qu'à trouver quoi que les plaisanciers, parce que là où les plaisanciers arrivent, là où ils sont vidangés, ils ne vont pas poser la question, ils vont vidanger directement là, et l'emmerde, mais c'est même l'emmerde qui m'a empêché à qui a rentré, qui a sorti, qui a allé pêcher, c'est même l'emmerde qui m'a venu payer un peu de la gauche. Mm. Donc, et puis les gens qui ont des activités maritimes, sportives, qui n'ont pas été là. Pédalo. Ben oui, vous allez comprendre, en tout cas, des embarcations sportives, donc qui ont côtoyé Koyo. Donc, pour chaque moment, on peut trouver Placio, il faut venir mettre ça à plat, et il faut ouvrir la discussion. Et c'est ça que le président Cap-Nord a décidé, que la discussion vient ouvrir à zéro, que les études viennent partir à zéro, pour ne pas faire n'importe qui bagage, parce qu'il y a des mêmes décisions, il faut que la population en les compte. Alors, est-il un dernier question? Oui, j'en ai un. Est-ce que favorable à remettre un service militaire obligatoire? Alors, il va préciser motivation, question et non. Mais en fait, il a dit le terme d'insertion, parce qu'il a précisé voilà, sur le fait que peut-être lui, et peut-être moi, que ça aide nous organiser quoi, nous, dans la vie. Parce que l'augmenté l'armée, peut-être pas les plus anciens, étaient quand même plus jeunes, 18 ans. Moi, je l'ai montré dans des années quand même 21 ans. Les montées, ce n'est pas comment les m'ont sorti. Donc, on va comprendre une question. Service militaire-là, ça a tenu un sens. Ça a tenu un sens. C'est pas des poignées, des métiers, des matinées, des tenues en RSMA, en BIMA et puis en GSMA. Donc, tenues trois niveaux de service différents. Donc, c'est pour dire que ça a tenu un sens à ce territoire-là. Maintenant, l'homme de l'armée, ça veut dire qu'on croit potentiellement d'accord pour faire la guerre. Et moi, pas sûr que nous gagnons d'accord sur la guerre à l'arrivée. Et donc, même la France, même pas ni même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire, ou pas engager un conflit militaire, même manière qu'on était engagé auparavant dans les grandes guerres qui fait. Donc, ça a tenu un sens. Est-ce qu'il y a le même sens à Jodhia? Non, pas sûr. C'est vrai, nous pouvons regretter le fait que pas les services militaires tels que nous te connaissons, parce que là où tu as grandi et où tu as l'âge, peut-être fait vagabondage, où tu es rentré dans l'armée, là où tu es viré sorti, pas qu'à où elle mène la vie à la même manière. Ou obligé de t'organiser quoi, parce que
il y a telle discipline que vous ne pouvez pas sortir de là sans discipline. Vous êtes obligé de garder la discipline là encore, vous pouvez tout de suite aller chercher un travail, parce que c'est ça que vous pouvez faire. Vous devez sortir de l'armée, c'est d'aller chercher du travail, et il faut un foyer, il faut une famille, il faut un bagage. Et si vous n'avez pas trouvé de travail, ben, les parents de l'unité, vous devez quitter l'unité, vous devez aller faire un bagage, il faut que vous devez faire un bagage, vous ne pouvez pas garder rien. Et donc, est-ce que jeudi jour, pour qu'on vive un été, on va dire comme ça. Franchement, on ne peut pas dire aussi, on a pensé que ça a un sens, on a pensé que ça peut être intéressant, mais est-ce que jeudi jour, ça a le même niveau d'intérêt qu'auparavant, pas sûr. Parce que ça a un coût, vous pouvez faire un service militaire, ça a un coût financier. Qu'elle m'assure que l'État n'est pas en train de couper. Mais en ce moment, quand Fleur de Mandrine a longueur pour 40 pour l'armée, il va avoir 678 euros, bon, 678 mètres jugés. Bon, c'est de la pub, c'est de la communication. Dans l'adhésion des Mandriniques, ma passe, on ne va pas engager comme un opérateur sur Guadala. Surtout que de plus en plus. Oui, vous voyez, vous c'est le voilà en formation qualifiante ou diplômante, pourquoi toucher un revenu, un minimum de revenu, ben c'est ça. Non, ben, c'est pas tellement différent. Après, c'est vrai que le RSFA actuel, qui a engagé quoi dans la formation pour former effectivement en l'eau jeune, en PIA, et c'est tant mieux. Il y a des règles disciplinaires à sous ça, c'est tant mieux. Maintenant, est-ce qu'une capacité peut passer toute génération de là, on passe ça, si on a les mêmes moyens, on pas pour dire pour qu'on nous tenir. On pas pour que génération de non plus brancher, totalement aller aussi à terme groomer Babagé qui va procéder, parce que bon, on passe à comment dire, ça peut évoluer. Mais moi, je vais rendre encore hommage à M. François Zozo, du groupe qui a été animé à il à la fin, il était qu'à dire invité à ma capoteau en 10 secondes. Pour faire conclusion. Donc, Harry, merci parce que l'année passée, on était passé un bon moment avec vous, effectivement. On était passé deux heures de temps ensemble. Là, encore, on peut atteindre deux heures de temps. Et même sensation, même bagaille là, même émotion. Mon père va passer les deux heures, moi, échanger longuement avec vous. Moi, j'ai espéré que tout le monde qui écoutait a apprécié ça, m'a dit. Et puis, Niambay, m'a dit, moi, mon pays, moi, mon Martinique. On nous voulait pas payer. Absolument. Ah ben, on a laissé de belles paroles là. Donc, on a initié Olivier Jodoni. Merci à vous, merci à chaque pour présence après-midi dans LDN Politique. Merci Vladimir pour la technique. Et nous allons informer que ça qui va attendre après-midi, qui peut réécouter l'émission TAA le mercredi 13 de 16h à 18h, toujours en LDN Politique. Bon, pour demain, la parole au peuple, c'est Femmes Patriotes, qui est là de 10h à 13h, puisque nous savons que hier, il y a fêté la journée internationale de lutte des femmes pour obtenir certains droits. Alors pour lever droit des femmes, c'était pas voilà. Et c'est vrai que nous pas parler de ça. Mais en tous les cas, dans continuité, hommage aux femmes, au combat des femmes pour obtenir leurs droits. Demain de 13h, de 10h à 13h, nous gagnons l'association Femmes Patriotes de Bout. Merci en pile, merci en chaîne à tous les auditeurs qui écoutaient nous. Merci Monsieur Bruno qui criait. Nous allons à bientôt et belle soirée. À bientôt. Thank you.